Hey, salut Lolo, bien de retour pour la suite de ce live. Voilà. J'ai raté la fin du premier live. Tu en es où? C'est une bonne question, monsieur Lolo. J'en étais dans la recherche des teintes. J'ai fait de la recherche de teintes et j'ai créé une ma teinte que j'allais avoir besoin. Puisque j'allais avoir besoin de plusieurs teintes. Faire les zones 3. J'ai donc peint le noir et puis j'ai cherché mes teintes et j'ai trouvé. Donc maintenant on va enlever tous les scotch où il est marqué numéro 3. Et c'est parti. Si ça veut bien. Là, j'enlève la plus grosse zone 3. Ah si, c'est bon. Je viens de me faire une frayeur comme ça m'arrive souvent. Manu. Bon, désolé, hein, j'espère que je vous ai pas fait arrêter de votre James Bond. Alors, hop. Il y a un petit défaut, on le corrige tout de suite. On va garder le pinceau sous la main. Et re salut à tous ceux qui arrivent doucement. Ça revient doucement. Salut McFly08.
Ça vient de Retour vers le futur, ça. Alors, on continue. On est sur les numéros 3 exclusivement. J'ai mis des numéros. Là, il y a une énorme zone 3. C'est la plus grande zone, je crois. Le 3, c'est le gris foncé, ça va. C'est le pot où j'ai de la peinture en quantité. Par contre, vu qu'elle est transparente, je devais en mettre au moins. Je pense mettre 3 couches. Et re-salut Stéphane Rollet. Alors j'ai beau dire que je débute, hein, mais je reçois déjà des messages Messenger avec des gens qui m'envoient leur peinture, qui font chez eux et ils me demandent ce que j'en pense. Alors je dis, si vous pouvez me demander mon avis, mais je suis pas encore un professionnel. Hein. Et voilà, j'ai décollé une zone qu'il ne fallait pas. Il fallait bien que ça arrive. Ça parce qu'il y a une découpe qui n'est pas bien passée. Flupke, bonsoir, bonsoir à toi. Tu es une star, oui, tout à fait. En tout cas, je suis la star de ma chaîne, ça c'est sûr. Ah, je pensais que ça allait se découper tout seul, mais non! Oh, il y a tout un coin là qui veut pas se découper. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vois plus là. Je sais pas si c'est le soir. Et re Monsieur Camouflage Tamiakit, et re Laurent Martin, et bonsoir Yorchiste. On voit plus rien. Je sais même pas c'est quelle zone ça. Alors la 3.
Ça avance pour cette carrosserie décor. Eh mais attendez, faut le dire si vous voyez pas. En fait, je suis en dehors de la zone là. Fallait me le dire que la caméra était mal tournée, les enfants. Ah, Tamia qui révise pour les futures questions concours. Ok, Tamia, vas-y, on va voir. Je vais poser une question sur les vidéos que t'as regardées. T'as regardé quoi, Tamir? Je vais être gentil. Bah, c'est une bonne question, Laurent. C'est franchement compliqué. On voit encore par moments, mais il y a des moments, c'est vraiment très dur de voir ce qui est écrit. C'est vraiment dur. En fait, la solution, ça serait d'écrire avec un marqueur blanc les numéros de couleur. T'as regardé les camions Tamiya, les différents carreaux. Ok. Pour le coup, c'est camouflé. Mince, les gars, il y a André qui est revenu. Je pensais poser une question, c'est foutu. V'là le rafleur de réponse. Y a Lolo qui dit, André, tu es fatigué. Tes paupières sont lourdes. Première question, quel est le buggy vintage de Manu? Tiens, qui c'est ça? Allez-y, c'est une question. Va être chaud hein, comme question. Alors, Manu. Est-ce que c'est pour une NXT la Caro nous demande Tamia? Je laisse Manu répondre. Et oui, c'est bien une NXT.
Et des fois, j'arrive pas à me relire. Ça, c'est grave. Et puis, il y a des fois, il y a des coupes qui n'ont pas marché. C'est quand des fois, on n'appuie pas assez sur le cutter. Et quand on appuie trop, ben, ça se voit là. Après, sur la peinture finale. Alors Manu, on nous demande si Lolo nous demande si ton NXT tu en es content. Loulotte, salut Loulotte. C'est celle de son fils, nous dit Manu. C'est assez costaud, mais il n'a pas assez de réglage à son goût. Alors Tamiya, Tony, j'ai réfléchi, je veux ma Caro Bugira camouflage. Alors je ne sais pas si tu me vois en caméra, mais là je te fais un geste, une grimace. Et j'en ai déjà vu un, hein, un mec qui a fait un camu. Mais oui, c'est tout à fait envisageable, mais pour aller à l'intérieur de la cabine, va-t'en faire des découpes là. Des formes comme ça à l'intérieur avec ton cutter. Pour la cabine, ça va être compliqué. Après, il faut pas faire des zones aussi petites que ça, je pense. Trois fois plus grosses. Bon, moi j'ai peur d'oublier des zones là. Là, il y a une zone 3. Il y a des zones qui veulent pas se découper. Je sais que t'es pas sérieux. Alors. Donc Manu a un Schumacher, c'est toujours dur à dire, un Schum 4 L1, et c'est un. C'est la question, il est mince, André. André, en fait, il dit rien, mais chaque truc qui est dit, il a un petit carnet, il note. Il a une page spéciale Tamiya, spéciale Tony, il a une page pour tout le monde.
Bien. C'est... Ah, attends, le chou me rentre... Non. Ah oui, mais en fait, je veux pas la compter comme... Puisque je pensais que ta réponse, que c'était un choum catelin. J'ai pas tout compris, moi. Est-ce que c'est un choum 4L1? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Hey, salut, monsieur Toulouse! Oh, Toulouse! Bonsoir à tous. Si tu veux, monsieur Toulouse. Allez, monsieur Toulouse. T'as toujours pas mis Discord, monsieur Toulouse. Oui, allô. Rebonsoir. Bonsoir, monsieur Ribérol. Attends, on parlera. Qu'est-ce que vous entendez, monsieur David Toulouse? Vont nous le dire dans pas longtemps, je pense, si le retour son est bon. Je pense que oui. Même qu'il est même un peu fort chez moi. Parfait, merci pour le retour, Steph. Voilà, nous Alors, avons Tony, tu David avances? Toulouse en invité. Ça va, David, et toi? Ben, très bien, moi je suis aussi devant mon XB2 en train d'essayer de faire le câblage. Ce n'est pas Les une passages. mince affaire. Ouais, les passages de câbles. Bon, ce sera peut-être pas le plus beau, mais ce sera le premier. Avec le confinement, on a le temps pour faire le plus beau. Exactement. Bonsoir à tous, en tout cas, dans le chat, je vois qu'il y a 14 viewers. Pas beaucoup de live ce soir, d'ailleurs. Oh bah attends, ça vient de reprendre. Oui. Non, mais je disais, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de Romano, il n'y a pas de, pas trop de live, il n'y a pas de Mimuse, c'est dimanche soir. Et moi, comme il n'y avait rien à la télé, aujourd'hui, on a bien profité parce qu'il faisait très très beau. Ah bon? Et bon, ah oh oui, on avait un très beau soleil sur le sud-ouest hier et aujourd'hui. Eh ben pas chez nous dans le nord. Hein. Que David a un fer à souder assez puissant. Alors j'ai un fer à souder de 60 watts de chez Amazon. Oh, ça doit être limite ça pour faire des câbles moteurs. Hein. Ah ouais, tu penses? Ouais, mais tu Après, peux... Après, c'est pareil, c'est comme avec les Aculipo. Hein. Des fois, les valeurs, c'est pas parce qu'il est Oui. marqué 120C que ton accu est 120C. Hein. Après, il monte à 400 degrés. C'est ce qui est marqué sur la molette. Mais bon. J'ai Moi, déjà réussi à dessouder des prises DIN de mon variateur Ezrun Max 8. ah bah si déjà t'as réussi à dessouder ça, c'est bon. Bien. Oui. Et justement, j'avais une question à te demander, Tony. Peut-être aussi dans le chat, on pourra me répondre. Donc, du coup, j'avais un peu d'étain que j'ai reçu avec ce fer à souder Amazon, qui, je pense, est de l'étain de piètre qualité.
Et du coup, sur quel type d'étain vous utilisez? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sortes d'étain. Je suis pas un pro en électronique. S'il y a des pros en électronique qui peuvent répondre, c'est juste que je sais qu'il y a des étains chargés en plomb, mais aujourd'hui c'est devenu interdit. Donc moi j'ai encore des étains chargés en plomb. J'imagine qu'on va vite trouver des spécialistes qui vont nous donner des réponses plus précises. Mais Attends, regarde, parce qu'effectivement, du coup, comme confinement, ben, j'ai regardé sur Amazon, et oui, il n'y a que des étains sans plomb. Mais j'ai vu qu'il y en a qui ont de l'argent à 0,3%, du cuivre à 0,7%. Ouais, j'aimerais savoir, est-ce que ça a une grosse influence ou pas, est-ce qu'il vaut mieux prendre plutôt un qu'un autre. Bonsoir, Tamiakit. Big up. big up. Voilà, il y a Lolotte 12 qui nous dit. Moi, c'est de l'étain basique avec décapant. Alors, ça, c'est pareil, j'ai pas tout compris. Décapant, pas décapant. Bah avec Graisse à souder ou pas graisse à souder. eh ben, graisse à souder, c'est du décapant. Donc D'accord. en fait, si tu as de la graisse, t'as pas besoin de prendre de l'étain avec âme décapante à l'intérieur. Alors, ça, j'ai vu. Ça porte un autre nom, mais Ouais, ça j'ai vu porte qu'il y en avait, c'était marqué. âme. Enfin, il y a plein de mots, regarde. T'as des trucs. J'ai ça. T'as pâte à étamer contenant décapant et métal d'apport. Tu vois? Il existe Ouais. encore. Ça, c'est pas. Je trouve que c'est pas génial. J'ai 10 000 Ouais. trucs. Tu sais, moi, ça fait tellement d'années. Mmh. Tu vois, j'en avais un ici, Novak. C'était du que j'avais acheté dans le passé, il y a 30 ans. Team Novak, tu vois. Hein. D'ailleurs, Ah ouais. celui-là, il avait 3% de silver, donc d'argent. Ouais. Et ça, c'était vendu par Novak, donc les spécialistes de l'électronique il y a 25-30 ans. Mmh. J'ai pas connu. Après, là, il y a un copain électronicien qui m'avait donné ça. Donc là, j'en ai beaucoup, là. Il m'a donné ça, pareil, il y a 20 ans. Brasure d'étain, 500 grammes. Tu vois, j'ai de quoi faire avec. Oh bah je pense, ouais. Et il n'y est pas marqué ce qu'il y a dedans. Ouais. Non, je pense qu'il n'y a pas Bon, d'argent. c'est avec ça que tu fais toutes tes soudures et t'es pas embêté. Et il n'y a pas d'argent dedans. Donc je pense que tu vois, Novak a mis de l'argent. Je pense que c'est mieux quand il y a de l'argent, mais ça doit coûter plus cher. Ouais, bah là, ça se joue à 8-10 euros la bobine de 100 grammes ou 120 grammes. Y a Manu qui dit, il faut que j'aille à l'atelier pour voir. Ah, Après, bah mais ce effectivement, serait. celui qui allait le mieux, c'était de l'étain basique. Avec une âme décapante à l'intérieur, tu as l'impression qu'il y a un fil à l'intérieur et c'est de la graisse qu'ils ont mis en plus à l'intérieur. Ah ouais, ça paraît fou. Pour la RC, je te conseille d'acheter un vrai 80 watts. Tiens, regarde, on m'a conseillé ça. J'en ai racheté un chez Leroy Merlin et j'ai acheté celui-ci. Donc là, il existe en 80 watts seul, mais il n'y avait plus le 80 watts seul. Ça, c'est un 80 40 watts. Il y a un bouton, un interrupteur pour mettre les. Ouais, le camping gaz, ouais, tout le Le monde en parle camping et puis gaz, là je il vois. est à 22 euros avec une panne large, mais vaut mieux pour le Ouais. modélisme. On voit bien qu'il est quand même très très gros, hein. C'est pas un petit 60 watts. Ouais. Sinon, ce qui marche Ouais, pour je la vois. soudure aussi, c'est d'avoir ça, le camping gaz à gaz. Et au bout, là, vous avez la petite option en bout de fer à souder. Voilà. Ouais, ça en général, c'est plutôt mis dans les caisses à outils pour brancher sur le terrain, non? Voilà, après ici j'ai celui-ci qui marche avec du gaz de briquet. Par contre, c'est très puissant, ça fait chalumeau si j'enlève ça. Donc les deux là. Mais je dirais que celui camping gaz il est un peu plus puissant que celui-ci. Voilà. Je vais faire cramer la boutique si j'utilise ça. Et après, bah, moi c'est ça que je conseille dans mes vidéos. J'ai acheté ça il y a quelques années chez Leroy Merlin. C'est de la graisse décapante pour soudure à l'étain. Alors tu trempes ton fil là-dedans et tu mets de l'étain, ça va tout seul. C'est magique. Ouais. Quand tu manques de puissance sur ton fer, tu mets ça. D'accord. C'est vraiment la. Quelqu'un qui soude souvent, il faut avoir ça. Ouais, j'ai regardé quelques vidéos. Alors, il y a Manu qui nous a mis un lien. On va aller regarder. Alors, dans celui-là. Ouais, c'est pas donné, l'étain, hein. C'est fou, hein. 100 grammes, 13 euros, 16 euros TTC. Ouais, donc le pote qui m'a donné FCM4. un rouleau de 500 grammes, en fait ça coûtait cher quoi. Ah oui, je pense.
Fil à souder équitable pour un comportement. Alors, pas de métaux neufs, première coulée, utilisation de matières premières de récupération de grande pureté. Ce qu'ils ont vu, ils sont tous, moi, ceux que j'ai vu, c'est tous Made in China. Et tu vois, je vois celui que Manu nous a mis en lien. C'est un Made in Germany. C'est quoi de l'état? Oui, étain à souder, Stanol. SN 99,3, cuivre 0,7. Donc je suppose que SN, ça va être Il la forme. n'y a pas d'argent dedans? Non, il n'y a pas d'argent. Bon, on va continuer de fouiner hein, avant d'acheter. Ouais, Laurent Martin, je l'ai aussi, le petit Parkside sans fil, je l'ai. Mais clairement, comme tu dis, pour les fils de cerveau, c'est bien. Mais même pour les fils moteurs, ça marche pas. C'est vraiment très très faible, hein. C'est l'équivalent d'un 30 watts. Bon, bah, je pense que je vais pouvoir peindre. Je vérifie Ah, une fois de plus que j'ai pas oublié de zone. Allez, on va se concentrer sur cette zone-là. donc là, tu as déjà fait une couleur alors. Ouais, j'ai fait le noir. Ah, Ouais. si, il y a encore une zone ici, le 3. Je vais mettre mon doigt dessus parce qu'avec le noir, je vois rien du tout. C'est du gros gros travail qu'il a donné Manu là. Un enfoiré! Je le retiens, le Manu. Bonsoir Non, Tisto. tu sais quoi? Je suis sûr qu'il y a pire comme carreau. Voilà. Tu sais, là, Oh tout. oui, certainement. Il y a toujours pire. Bon, là, j'arrive pas à lire ce que j'ai mis. Là, c'est du 2. Manu nous dit par contre le mien a de l'argent. Ouais, je pense que c'est bon d'avoir de l'argent pour le contact, mais bon, je Bah, ne suis c'est pas comme un expert. si. Ouais. Tu peux toujours rajouter des trucs du genre de l'or. Ouais, ça va faire la bobine à combien là? À Bonsoir, 50 euros les 5 Christo. grammes? Ah, ouais, bah là, c'est sûr que ça doit être cher, ouais. Bon, bon, après, on va voir. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de couper les câbles qui sont très longs d'origine, à peu près une vingtaine de centimètres. Je vais devoir pas mal les raccourcir. Bah, Et ce qu'il faut, après, bon. c'est qu'ils soient vraiment à la bonne longueur. Ouais, voilà. En fait, tu les places avec ta prise à vide sans souder, et tu vas jusqu'à ton pack d'accu, au bon pôle, si c'est le plus ou le moins. Et il faut pas que ce soit ni trop court, ni 2 cm trop long, ça va pas. Ça te donne Ouais, alors trop. j'ai vu la petite astuce que donnent beaucoup de youtubeurs, c'est de le plus ou le moins d'en couper un plus court que l'autre pour que tu puisses pas aller inverser l'épaule quand tu vas Ouais. pencher. Mais il y a des châssis, ça marche pas. Tu Ouais, verras, bah bah, j'ai l'impression, d'ailleurs, ouais. le Le XB2, XB4, ça ça marche marche pas pas. spécialement. XB2, justement, j'ai pas encore refait le câblage de la voiture de mon fils. Mais je suis pas sûr que ça marche bien de le faire. Ouais, alors moi je vais. Ah, c'est là. Si ça ne marche pas, je vais me contenter de mettre un petit bout de gaine thermo rouge sur le plus, puisque tous les câbles sont noirs de mon vario. Et puis j'ai peint en rouge, avec un peu de peinture rouge là, le plus de la Q pour faire un détrompeur rouge et rouge, mais bon. Ouais, c'est bien. Bon, je mets un bout de scotch rouge sur le pôle plus à côté. Voilà, bon, on fait avec ce qu'on a. Bon, il avait un peu de peinture. Ah, il y a Manu qui nous dit qu'il n'arrive plus à lire l'étiquette. Bon, écoute, on va commander, puis on verra bien, ça va souder. Mais bon, c'est vrai que si 60 watts, je vois, j'entends beaucoup 80 watts minimum. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est des grosses sections. Surtout pour ceux qui font du 1/8, quoi. Mais Bon, bah, non! Il n'y a plus qu'à peindre, on dirait Tony. Ah, mais non! Attendez, j'ai un sous-saï. Ouais, hop. Il y a André qui nous dit, Arf, le mien, c'est un 30 watts. Est-ce que tu arrives quand même à souder, André, avec le tien? Oh bah, les fils de cerveau, les petits interrupteurs. Ah ben merci pour
le tuyau Manu qui me dit si ton fer n'est pas très puissant, ne serre pas tes prises PK dans un étau pour ne pas dissiper la chaleur. C'est une bonne information. Et comme je n'ai pas d'étau, je pense que je vais faire la Tony élastique. Ouais, mais ça sera une pince en métal. Oui, ça va dissiper un petit peu. Il y a André qui nous dit non sur les Tamiya, pas besoin. Oh, Oui, là, salut j'ai vu beaucoup. David! Comment ça va David? Je ne vois pas apparaître encore. T'es pas en replay alors. T'es en replay, non pas en direct. Si, mais je suis en top chat et pas en chat en direct. Donc maintenant, je le vois. Bonsoir, David. Nous avons David aussi, un autre David sur Discord, enfin non sur Messenger. Voilà. Comme dit souvent Tony, il y a beaucoup de monde qui bricole avec le live en fond. Tony qui nous fait des petites retouches. Ouais, sinon Manu il va dire c'est quoi ce travail de Porchio de merde? Donc je suis obligé de faire des retouches. Bah oui. C'est tout l'art du détail. Alors Manu me dit, tu mets des prises dans de la durite de moteur nitro. C'est pas bête. Ouais, pour les isoler de ton étau. D'accord. C'est super intelligent comme astuce. Tout à fait. Donc plus Moi, que j'en sur... trouve. Moi l'autre astuce, c'est que sur mon étau, j'ai récupéré deux morceaux de plastique et je rajoute ce qu'on appelle des mors en plastique sur mon étau en fer. Ouais. Voilà. Et ben merci pour les informations, messieurs. David et sa C'était. M18. Ouais, David, il a racheté un lot de M18 et il a absolument envie de rouler parce qu'en fait, on a un petit club près de chez nous. Enfin, c'est pas un club, mais c'est une petite salle sur laquelle on peut rouler en Belgique le vendredi soir, en temps normal. Et la piste est très petite, donc elle convient très bien aux échelles 1/18. Alors attention, je vais faire du bruit. Alors, bon, C'est charge express. ouais, par contre, je prends vraiment mon temps de vérifier. Bah, tu vois encore, à chaque fois que je vérifie, il me reste une zone. Hop. En fait, comme on disait, avec la peinture noire, on voit très peu à travers, là. Donc, c'est compliqué. Et c'est justement ce que je me disais de comment tu as appréhendé le passage des couleurs, parce que là je me dis ouais en noir ça t'a recouvert pas mal de. T'as perdu de la transparence sur les numéros que tu vois à travers, en fait, non? Complètement. Ouais, l'autre solution, ça aurait été d'avoir un, tu sais, les marqueurs pour les ateliers là, où ils marquent à la peinture blanche. Ben, parce que comme je le marque de l'autre côté, mais que c'est noir sur fond noir, je vois plus rien. Mais ouais. Enfin, je vois, mais Écoute, très très mal. Ouais, t'es obligé de la retourner. Ça, c'est du jaune. Alors, il me manque une découpe, là, les gars. C'est un sacré chantier quand même. Ah. Manu Une Bafou et question. moi, on n'est plus amis. Il y a Milan qui nous pose une question. Bonsoir, quelqu'un connaît un peu les LED sur DRC? Alors, DRC. si. Ah, DRC. Un peu des LED. Les LED à rajouter, Milan. Est-ce que ce sont des LED pour faire des lumières sur tes phares? Ouais, David, t'as raison, t'as sauté sur l'occasion. C'est vrai que c'était un gros lot que t'as eu, hein.
David qui a racheté un énorme lot de M18. Alors, qu'est-ce que c'est la M18? C'est une machine, un châssis. Ouais, c'est un châssis de la marque X-Ray qui était sorti il y a quelques années de ça. C'était une petite touring, mais version 1/18e. Et au Ah début, ils l'ont ouais. sorti en plastique. Puis après, comme ça marchait vachement bien, ils en ont sorti en carbone. Et c'est un très beau châssis. Moi, j'en ai deux ici, un pour moi, un pour mon fils. Et on a même fait des courses d'endurance avec. Bon, moi, bah, je vais pouvoir passer à la couleur. Je pense que j'ai enlevé toutes les zones 3. Allez, dernière vérif. Parce que. Du coup, il a quatre châssis, ouais. 2008. Ah, ben bah, voilà. Y a pas long, y a, hier ou avant-hier, j'ai vu sur le site RC Klein Kram, là, que tu connais aussi. Ouais. Et ils ont ressorti pareil une X-Ray, un petit Monster Truck en 1/18 ou 1/16. Ouais, c'est une bonne échelle ça. Après, ça, en fait, c'est bien d'avoir des petites échelles quand tu pratiques dans des petites salles. Voilà. Ouais, des petites salles indoor en indoor, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Puis ça permet de monter une piste beaucoup plus rapidement que pour des échelles 1/10. Ouais, puis souvent c'est des petits budgets, ça reste raisonnable, ça casse pas trop puisque c'est tout léger. Ah, j'ai oublié une zone 3, à moins que ce soit pas du 3. Mais si, il y en a encore deux ici. À dire que j'allais me mettre à peindre. Oui, tout à fait, Manu. J'ai vu aussi beaucoup de monde a parlé sur Facebook de la promo qu'il y avait chez Lidl pour une station de soudure. Parkside. Ouais, mais bon, c'est du. Ouais, je vois 15 euros, mais ça C'est fait pas très 50 watts. puissant. 50 watts. C'est beau, mais qu'est-ce que tu vas souder avec? Tu pourras pas faire les fils moteurs. Ou... Donc c'est plutôt adapté pour du 1/10e au max avec des petits fils. À un moment donné, si ça sert à rien dans l'atelier, vaut mieux pas dépenser 15 euros. Oui, puis je pense, là, je regardais juste avant la vidéo de Mani qui dit de ne pas se tromper dans l'investissement et d'acheter quelque chose de correct. Les premiers prix, ça tourne dans les 50-60 euros pour une station de soudure correcte avec pas mal de réglages et des 80 watts, voire 100 watts. Il y en a une, il me semble, qui est réputée, c'est la station de soudure Coralie. Ouais, bon, après, il faut voir combien de soudures on fait par an. Oui, exactement. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas pris du tout en compte, moi, quand j'ai acheté le mien sur Amazon. Ce que j'ai regardé surtout, c'était la température. Non, Donc, la c'était une température, mauvaise. c'est pas un bon indicateur. Parce que regarde, l'autre Ouais, fois, voilà. quand bah, David est venu chez moi, là, on était en vidéo, il le dit là, 48 watts à éviter. On Ouais. avait mon 80 watts, celui que j'ai acheté sur Amazon avec un affichage digital, qui jusque-là marchait très bien, et on n'y arrivait pas. Donc on a rajouté un deuxième fer à côté, mon fer à gaz, et avec deux fers, on a fini par réussir à. Tu sais, c'est pour enlever les fils qui sont sur le variateur directement. Ouais. Et ben là, ça veut dire que c'est pas évident hein, à dessouder de là. C'est là pour cela qu'il faut du fer qui envoie de la patate. Alors, Milan qui nous dit pour les LED, j'ai une radio avec un Channel 3 et j'aimerais mettre un kit LED et l'allumer ou l'éteindre grâce à ma radio. C'est pas un domaine que je connais trop, moi, de mon côté, mais je sais que c'est faisable et je pense que tu auras beaucoup plus d'infos là-dessus du côté de chez Romano, où je sais que tu es souvent présent aussi sur la chaîne Romano Test. Regardez le lien de Manu. Ah oui, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais ça et Manu confirme. Même chez Wartel, ils vendent la station de soudage Coralie. Bon, c'est une 75 watts. Et elle est à 80 euros.
Je savais qu'ils avaient vu plusieurs personnes qui recommandaient, ou même des sites qui recommandaient cette station de soudure. Ah ouais? Il a déjà demandé Milan, mais Romano est en train de travailler sur le Chronos. Non, mais il me semble bien que c'est ça, Milan. Ouais, il faut brancher sur ton channel 3, sur le récepteur. Alors, je sais qu'après, il faut faire attention au voltage et l'ampérage que sort ton récepteur sur les sorties auxiliaires, on va dire. Et normalement, ça doit fonctionner. Mais à chaque fois, quand je pense qu'il n'y a plus de zone, il y en a toujours une de plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contrôle à faire. Ouais, c'est ça. Puis t'as trop peur d'en oublier une. Exactement. Alors, si tu l'oublies, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, parce que tu peux là quand même la refaire après. Mais ce qui serait le plus embêtant, c'est d'enlever pas la bonne. Ouais, mais déjà là, je me suis rendu compte d'incohérences. Là, au fur et à mesure, je me rends compte de petites incohérences, donc je suis obligé d'improviser, de faire avec. Ouais. Comme là, je suis sur une incohérence et j'essaye de régler un problème. Voilà. Tout problème a une solution. Alors, tu as aussi une autre solution, Milan, c'est de poser ta question sur les groupes Facebook et je pense que tu auras des réponses C'est quoi son truc des LED? Bah, tu sais, c'est comment brancher les kits LED pour les phares sur une voiture en channel 3, tu sais. Comme en général, on utilise sur les véhicules classiques, on va dire, uniquement le channel 1 et 2. Et c'est vrai que tu peux alimenter tout un tas de choses. La Ah, plupart des radios sont à 3 moi sur un channels. camion, j'ai mis des LED. Maintenant, je les ai branchés sur le récepteur, sur une des voies en plus. Mais je ne les ai pas pilotées à distance par la radio, elles sont allumées en permanence. Ouais, elles sont allumées en permanence. Et théoriquement, si je dis pas de bêtises, si tu l'associes au channel 3, tu peux allumer et éteindre si tu as un bouton channel 3 sur ton émetteur. Bon, je crois que cette fois c'est la bonne, je vais pouvoir peindre. Dernier contrôle. Bonsoir à 100% RC. J'ai 100% mal aux yeux. RC. Et Il a mal aux yeux dans le Hugo Bafou, sud. salut Tony, beau boulot sur Macaro. Oh, nous avons le futur propriétaire, Hugo Bafou. Salut à toi Hugo et merci. Merci de me faire confiance. C'est sur quel carreau, Tony, que tu parles pour Hugo? Celle que j'ai dans les mains. Ah bah je crois qu'elle était pour Manu, moi. Non, Manu, il l'a dit que c'est pour son petit-fils, petit de 24 ans. Ah. Bon, pour l'instant, ça ressemble plutôt à une vache, hein. Ou je sais pas, ouais. C'est normal. Bon, bah c'est bon, je vais pouvoir peindre. Et là, c'est quoi ça? Ce serait pas du 3, ça? Mais si, encore T'es une jaune parti pour 3. quelle couleur là? Pour le gris ou pour le jaune? Le gris foncé. D'accord. C'est un gris bafou. Un gris bafou. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement Hugo Bafou et Manu Bafou. Il y a Lolotte qui a réussi à voir que tu avais encore une zone à l'arrière côté gauche. C'est vrai. Ben apparemment, C'est est-ce celle que que je suis c'est en train pour d'enlever. C'est celle que je suis en train d'enlever. Ben, je sais pas comment il voit ça lui. Hein. Après, Et comme tu dis souvent, il y a les des gens trois sont qui ressemblent à attentifs. des J. Bravo Lolotte. Tiens, plus un point pour Lolotte parce qu'il suit lui. Voilà. Exactement, c'est bien mérité. Et bonsoir à RC3D. Ah, Monsieur Karim, RC3D Antique. Salut Karim. Big up à Karim, il faut lui dire big up à lui.
Salut tout le monde, salut Tony Big Up, et salut Tamia, le roi de la pop musique et prince de la RC, les mecs, mesdames, je vous fais toutes mes amitiés. Eh ben dis donc, quelle sympathie, merci à toi. C'est une Lolotte, belle entrée. c'est quoi cette réponse de David à Lolotte? Il y a 36 sur 10. Il a, d'accord, c'est une Ah, blague. d'accord. Il a 36 sur 10 à chaque œil. Ouais, parce que Lolotte, il arrive à voir les hommes que j'ai pas enlevés. Alors moi je dis, il est en 4K sur son écran, mais je diffuse pas en 4K, hein, je vous le dis. Voilà. Quel accueil Karim. Ouais, faites tous un big up pour Karim, merci. 3D Antique. Voilà. Je veux Big entendre up du ouais, bruit. Karim. Mais attention, le big up est déposé par RC Mumuse. Je sais pas s'il l'a déposé. Non, je ne pense pas, mais. Bon là, j'enlève pour ceux qui m'observent, qui se demandent ce qui se passe. C'est avant de peindre, comme c'est plein de petites zones, il y a des bouts de masque qui sont décollés par endroits pour pas que la peinture s'insère en dessous et puis me fasse des délimitations un peu merdiques. Je rappuie un peu dessus. Voilà. Oui, donc c'est le fameux masque qui n'était pas très sec hier. Ah, c'était complètement ça. Voilà. Comme je l'ai dit, à chaque fois, je prends de l'expérience. Et hier, j'ai voulu aller trop vite. J'ai reçu la carrosserie par Colissimo le matin même, hein, ou à midi. Je sais plus. Et j'ai voulu aller tout de suite la faire. Et en fait, quand tu mets du masque liquide, le top, c'est d'attendre 48 heures. Franchement, c'est ça. Ouais, à l'ambiance. Ouais, environ. Du coup, là, c'est surtout à l'avant, là où j'avais voulu commencer hier. C'est là où j'ai le plus de défauts. Oui, parce que ça a soulevé un petit peu. Ouais. Pire, c'est que c'est dommage parce que c'est l'avant justement qu'on voit le plus. Hop. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Allez. C'est aussi une question que je me posais, que je me suis dit, j'étais pas pressé pour faire de l'aérographe dans mon garage, parce qu'il n'est pas chauffé. Je ne sais pas qu'il fait très froid, mais on a quand même 70% d'humidité. Et bah Et tu on doit avoir, je sais pas, il doit faire 15 degrés là. bah 15, 16, moi c'est 17 degrés. exactement le cas. Là je suis à la cave, mais c'est un garage excavé. Donc en fait là on peut rentrer des voitures dedans, mais c'était vraiment là où je suis, c'était vraiment très pourri il y a dans le passé. Et j'ai refait tous les murs avec des placos isolants d'un côté. Et pour qu'il fasse bon, là j'ai fait une cloison avec une porte que vous voyez sur la caméra à gauche. Et après dans le reste du garage, bah là il doit faire je sais pas. 14 degrés ou 15 degrés, j'en sais rien. Et l'hiver, il peut faire beaucoup moins que ça. Et là, j'ai mis un radiateur 1000 watts. Et du coup, ben, franchement, j'ai même pas isolé. Hein, c'est juste une cloison de bois de 22 mm d'épaisseur. Mais ça suffit, ça suffit. J'ai rajouté une VMC parce qu'il y a beaucoup de produits ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet humour, monsieur Antique? Je suis né avec Big Est-ce qu'un modérateur peut modérer RC3D? Up. Tu peux pas, il est modo. Eh ben oui, je mets un bouchon. Y a que moi qui peux le modérer. Alors, c'est bon. Le bouchon de Ricard qui était recommandé quand on avait un peu du tout mou qui sort. Alors, on va préparer le mélange. Ah, monsieur Laurent Martin, il a trouvé enfin quand il pouvait utiliser ces smileys-là. Il a trouvé. Tony RC, chaîne Santé Nature, nous dit Tania Kitt. Allez, allez, hop, on va peindre. Ah, mais il faut que je réfléchisse à une question encore.
Il faut que tu manges du riz blanc. Il faut que tu boives. Non, si t'as une gastro, il faut que tu peux boire du coca sucré. Pas du zéro. Et puis il faut prendre de l'Imodium et de l'Arcéfuril. L'Imodium pour stopper, l'Arcéfuril pour traiter. Bien, c'est parti, on va mettre un masque. Allez, hop! C'est parti pour le gris foncé. Ah les gars, je vous colle une colle. Je vais me faire un backing derrière mon gris foncé. Est-ce que je vais recouvrir de blanc dans un premier temps ou de noir? On va revenir dessus, monsieur Manu. Tu vas nous donner des petits indices. Voilà, on a aperçu Monsieur Toulouse. Non, non, j'étais en mute parce qu'il y a ma femme qui gueule. Ah, tu parles trop fort? Comment? Tu parles trop fort? Non, non, non. Que je clope trop dans le garage. Du coup, tu peins dans ta mini cabine? Ouais, parce que là, il y a vraiment beaucoup de projections, là. C'est des gros aplats, là. Ah oui, C'est il y a des des toutes grandes zones. petites zones. Je pars dehors, mais... Au début, pour vous, pour le bien-être de la webcam, je peignais à côté. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui partent dans mon masque à peinture. Ah oui. Alors j'ai aussi une autre info pour ton masque. Il faut savoir que les cartouches, en général, c'est du charbon actif. Donc si jamais tu ne le remets pas dans un sachet fermé le soir, ça absorbe tout ce qu'il y a de toxique dans ton garage. Ah bon? Ah oui. Oh, je savais pas ça. C'est pour ça qu'en général, les masques sont dans des poches étanches. Mais écoute, je vais plus. Ah ouais, il est stocké n'importe comment. Ben, dès que tu, si tu pulvérises de la bombe à côté, ben, le masque, le charbon va capter les produits de la bombe que tu auras pulvérisé à côté. Eh ben merci de l'info. Mais de rien.
Si je confirme, Lolotte, c'est tous les masques sont, les cartouches sont à charbon actif, ça aspire, ça absorbe tous les chimiques qui sont dans l'air ambiant. Écoute, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je vais désormais plus le stocker n'importe comment. Voilà. Si je te dis une bêtise, mais si tu stockes ton masque et qu'à côté tu fais de la soudure à l'étain et qu'il y a du plomb, ça va aller, le charbon va l'absorber automatiquement. Donc là, j'ai mis une couche de gris. Au final, celui-là, ce gris-là, comme il est légèrement transparent, je vais en mettre trois couches. Pourtant, c'est du gris, on pourrait penser que Non, mais ça dépend des peintures. Il y a c'est un plusieurs peu sortes de d'opacité. peintures. Il y a des peintures qui sont vraiment, vraiment transparentes. Il y en a des moyennement transparentes. Celle-là, elle est quand même assez transparente. Alors que par exemple tu prends mon bleu opaque de chez Createx, mais il est d'un. C'est la gamme opaque, elles sont vraiment opaques. Mais sinon, il y a des peintures, moi plus c'est transparent, plus je galère à les étaler. En plus, quand tu dois faire des petites ombres avec des peintures qui sont transparentes, tu vois pas où tu projettes, c'est une horreur. Ouais, j'ai vu comme dans tes vidéos, il y avait des couleurs, franchement, tant que tu n'appliques pas l'autre derrière, par superposition, on ne voit pas, quoi. Ah, tu l'as dilué pas mal aussi, hein. Ouais, j'en ai marre, ça se bouche. Et pourtant, je suis en buss de 0,5. Hein. Ouais. Ils disent avoir une consistance laiteuse. Franchement, des fois, je me demande si c'est pas plutôt la consistance de l'eau qu'il faudrait avoir. Hein. Bon, c'est dur à avoir une consistance dans un petit pot comme ça, quoi. Alors, comment dit Hugo? C'est comme moi, en carrosserie, il y a des peintures avec un faible pouvoir courant. Ouais. C'est ça, mais il y a vraiment des grosses différences. Là, on a pu voir tout à l'heure quand j'ai fait le test sur du papier. On voit bien que j'ai mis une couche du gris. Et en plus, j'en ai vraiment mis une grosse dose. Et on voit encore bien à travers. Donc, elle est vraiment. Ce gris est transparent. Donc, je vais sécher. Je vais mettre une deuxième couche. Puis, je le ferai même une troisième fois pour être sûr que tu aies vraiment des teintes uniformes. Quand je dis que c'est transparent, allez, j'ai mis une couche, on voit bien mes doigts à travers. Hein. Ah oui. Donc oui, Hugo, il a raison. Oui. Pour avoir travaillé dans la peinture en carrosserie pendant une quinzaine d'années, oui, effectivement, il y a des couleurs qui n'ont pas de pouvoir courant, donc dont certaines qui sont recommandées avec des couleurs de fond. Mais ça reste, les écarts dans la peinture aérographe sont quand même énormissimes. Il y a énormément de couleurs qui n'ont pas du tout de pouvoir courant et qui ont. Sur lesquels c'est le fond qu'on va appliquer derrière qui détermine la couleur finale. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans l'aérographe, que je pratique pas encore, mais que en regardant Tony, j'en ai appris beaucoup sur le couvrant de ses peintures. Oui, tout à fait, Tamiakit, je suis sur Messenger. Oh les gars, j'ai une question pour le concours. Celle-là, ça y est, c'est pour le concours qui veut gagner une carte. C'est un peu du pif parce que celui qui trouve, il y aura 3 points pour ceux qui trouvent les 3 premiers. Donc actuellement, j'ai 3 marques de peinture. Je ne vais pas vous demander ça sera l'objet d'une autre question. Je vais bientôt rentrer une quatrième marque de peinture. Big Up. Merci RC3D, big up à toi, félicitations, tu as très bien progressé. C'est très sympa.
C'est la Quelle est la vérité. quatrième marque de peinture que je vais rentrer dans mon atelier la semaine prochaine? Je donne un indice. Je ne sais pas à quelle marque tu vas rentrer, mais je donne un indice. Non, David, Si? tu sais trop, toi, t'as pas le droit de parler. Non, non, je donne juste un indice, c'est que tu vas chez Vartel la semaine prochaine. Donc je ne sais pas quelle peinture tu vas rentrer, mais je sais que tu vas chez Vartel. Eh ben non, parce que c'est des peintures qui vont arriver en VPC. Donc c'est un faux indice que j'ai donné pour Oui, c'est brouiller. un faux indice, parce qu'elles sont peut-être en vente chez lui. Voilà, et je sais pas, je n'ai pas vérifié. Ah, on a des réponses dans le chat. On a David qui nous dit Pactra. On a Flupke 965 qui nous dit Vallejo. On a Lolotte qui nous dit Stardust. On a Basiliano qui nous dit de la Dulux. On a Laurent Martin qui nous dit de la Fast Color. Et André, il a dit quoi? Je veux savoir pour André André. n'a pas répondu encore. Je pense qu'André est en train de chercher la réponse. Il est sur Google. Voilà. On a RC3D qui nous dit Avis 3000. Non, perdu, c'est de la 3100. Regarde. Il y a Lolotte qui est plus malin et qui réfléchit par déduction. Il a déjà Obinox, Createx et Vallejo, je crois. Alors, Lolo, j'ai envie de te mettre 3 points rien que parce que t'as dit les 3 bonnes. Il y a André qui nous dit, alors attention, RC Car Color. Non, je suis pas sûr qu'ils fassent des peintures aérographes. Ils font des bombes. Alors RC3D, Createx, il a déjà. Tamia Kikit qui nous dit Stabilo du lui. Alors, sachez que la bonne réponse, David, tu t'en doutes, toi, la bonne réponse. Honnêtement, non, parce que j'ai tellement regardé les marques ces derniers temps que je vais. Et puis j'ai une idée, mais je ne vais pas la donner puisque je laisse le chat réfléchir. La bonne réponse n'a pas été donnée. Alors, je pense que Lolotte lui a la Lolotte, bonne je te mets réponse. 5 points. Et c'est bien la réponse à laquelle je pensais aussi. Bon, t'as le droit aussi à des points alors, mais tu l'as pas dit. Non, non, je ne l'ai pas dit parce que c'est plus facile. Donc, bon. Et puis, c'est le jeu, c'est surtout pour le chat. ProLine, oui, c'est. On en a discuté avec Tony la semaine dernière et Tony s'est rendu compte que ProLine était distribué ou fabriqué par Alors Createx. en fait j'ai eu au téléphone mon partenaire, mon futur partenaire, parce que vous ne le savez pas encore, Aérographe Discount devient partenaire de la chaîne. Ah bah c'est joli ça. Ouais, c'est un drôle de partenariat, j'aurais pas de remise, mais bon, tant pis. Mais ça se fera sous une autre forme. Donc Oui. j'attends avant d'en dire plus. Voilà. En tout cas, Moi aussi. il m'a dit, on a parlé des peintures, on a beaucoup parlé, j'ai posé beaucoup de questions, ce qui m'a permis encore d'apprendre des choses que je vais vous réapprendre par toutes les connaissances petit à petit que j'accumule. C'est que j'ai parlé des ProLine parce que je lui ai dit, tiens, tu fais pas les ProLine. Et il me dit, ProLine, c'est fabriqué par Createx, simplement qu'ils ont un cahier des charges identique au niveau peinture, mais c'est simplement qu'ils ont demandé des pigments et des couleurs qu'il n'y avait pas chez Createx. Voilà. Pour Ouais, ça. donc c'est la même peinture avec des couleurs différentes. Voilà, donc on va retrouver plein de couleurs identiques, plus des couleurs différentes. Ouais, c'est ce que je t'avais dit moi une fois en discutant au téléphone. J'adore ProLine parce que je trouve qu'ils ont vraiment des couleurs sympas. Mais franchement, regarde bien Createx. Si tu achètes toute la gamme Createx, tu as des trucs mais magnifiques. Et pas que la gamme Createx que moi j'ai, il faut regarder aussi chez les Wicked Createx. Elles sont Ouais, ils ont exceptionnelles. beaucoup. Et alors il m'a dit Oui, aussi que les Wicked, elles étaient plus fines, plus fluides et elles s'appliquaient mieux sur des aérographes à buse fine. Ah ouais. Ah, puis c'est intéressant de discuter avec des personnes qui sont professionnelles dans la peinture d'aérographe. Ouais, puis j'ai eu au téléphone mon autre partenaire, Egoin Racing, comme vous le savez.
Et Wayne Racing sont aussi distributeurs de CML, donc la marque Associated en France. Et CML distribue les peintures Proline. En fait, c'est en parlant avec Egouin que je me suis rendu compte qu'il distribuait de la peinture Proline. Et du coup, bah, D'accord. j'aurais demandé s'ils en avaient un peu en stock, et puis ils en avaient. Alors du coup, j'en ai commandé. J'ai commandé quoi? Quelques références. Voilà. Et officiellement, c'est Aerograph Discount, ils sont distributeurs sur leur site internet de la peinture ProLine ou... Non. Non, ils sont D'accord. pas distributeurs de la peinture Proline. Ce sont les distributeurs de la peinture Createx et puis plein d'autres marques de peinture. Ils ont au moins 6 marques de peinture, je crois. Bah pour moi, pour l'instant, hein, celles qui ont le pouvoir couvrant le moins fort, j'ai comme l'impression, mais je vous dirai, quand j'aurai fait 10 carrosseries, peut-être les Obinox, le moins couvrant. Après, bon, Binox, c'est aussi le moins cher, Merci. certainement. Merci KXF Tuto. Tu fais des tutos sur quoi, monsieur KXF, pour ton abonnement? KXF. Hugo Vallée qui nous dit Createx Wicked, oui, Createx Wicked, c'est une des gammes de peinture de la marque Createx. Ouais, ben ça, il faudrait que j'en commande un jour pour les essayer avec mes buses fines, justement. Et en plus, ils ont plein de coloris différents. Après, ben à chaque fois, c'est pas donné, donc j'y vais doucement au fur et à mesure. Bien sûr. Et puis il faut bien se dire une chose, pour tous ceux qui nous écoutent, ça reste quand même très très cher comme produit, Ah oui. puisque moi j'ai regardé un petit peu les prix et ça correspond à des peintures entre 110, 130, 140 euros au litre. Hein. Ben là, les Wicked sont encore plus chers que les Createx que j'achète classiques qui sont à 7,50 le pot. Les Wicked, c'est 8,90 le pot. Ah ouais. Oui, mais après c'est pareil, le ratio, si jamais c'est un pouvoir courant qui est bien supérieur, tu vas en passer beaucoup moins. Donc, Ouais. Du coup, ça peut être sympa avec Aerograph Discount, tu peux peut-être... avoir des aérographes en prêt pour essayer quoi. Non, je pense pas, non. Non? J'attends les conditions et je pense qu'ils vont m'envoyer un petit lot de matériel à offrir pour un concours. Ah ben ça c'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir un nouveau partenaire. J'aurais préféré avoir une remise, mais il m'a dit qu'il le faisait avec personne. Sauf avec Ouais. les pros qui commandent énormément de matos. Ouais, bien sûr. Après, tu as toujours la possibilité, si tu continues un peu là-dedans, de te mettre auto-entrepreneur et d'ouvrir un compte pro chez eux. Ça peut être aussi quelque chose. Je suis déjà auto-entrepreneur sous un autre pour une autre métier. Donc je Oui. sais pas, là, il va falloir que je me renseigne si je suis amené à faire plusieurs carreaux, comment je déclare ça, toi? Ouais. En tout cas,
tout ce que je sais, c'est qu'en dessous d'un certain montant annuel, tu as le droit de faire des petits travaux qui te ramènent de l'argent. Donc ça, je m'étais Tout à déjà fait. renseigné au niveau des impôts. Et je crois que c'est en dessous de 4 000 euros par an, un truc comme ça. Ouais. Tout le monde a le droit de faire des petits trucs, du moment que les montants ils dépassent pas 4 ou 5 000 euros par an. Ouais, moi j'ai un copain qui s'est retrouvé sans travail là, et puis il fait des petits jobs sur une application, donc je sais plus comment ça s'appelle. Tu vas monter un meuble chez un abonné de cette application, tu vas tondre le gazon chez une dame, il y a plein de choses à faire. Ah Et bon? du coup, c'est ce qu'il m'avait dit, que c'était limité à 4 000 euros par an. Ouais. Ah ben c'est ça, tu vois. Donc Ouais, en fait. au-delà, le site est obligé de signaler aux impôts que tu as dépassé le montant réglementaire. On a David qui nous dit 3 500. Ben moi j'avais entendu 4 000, ouais. Ah, ça en fait de la carreau, ça, Tony. Hein. Ça en Ah fait 1 000. ben, j'en suis pas encore là, hein. Hein. J'en suis pas encore là, les gars. Mais non, mais bon, les premiers clients arrivent. Hein. Créatex. Attends, j'ai pas mis les points. C'était qui avait droit à 5 points? Lolo? Oui, c'était Lolotte Lolo, t'es 12. contente à 5 points. Parce que déjà, t'as cité toutes les trois marques Sank. Donc, t'es vraiment un bon élève. Les autres, ils vont pas être contents. Il y a un faillot. Alors, Bumblebee nous dit, c'est quoi l'intérêt d'une peinture transparente? Je sais pas, moi en tout cas, les transparentes, ça m'énerve, ça me fait chier. Ouais, bah après, c'est surtout que les transparentes, c'est un effet de profondeur quand c'est recouvert derrière. Si tu mets du jaune transparent, si tu recouvres avec du orange, il aura un autre effet que si tu recouvres ce jaune transparent avec du jaune fluo, par exemple. Bah, l'intérêt, il est que tu peux faire, par exemple, des effets dans une peinture sans que ce soit trop puissant d'un seul coup par rapport à une peinture opaque. Ouais. Ce que tu fais toi par exemple quand tu fais des petits traits pour faire des ombres et qu'après tu fais par exemple en jaune et après tu passes un autre jaune derrière, Voilà. du coup ça fait ressortir. Tu prends un rouge transparent et après tu dois mettre du jaune. Au moins ton rouge il est pas trop violent, quoi. Alors je rajoute les points à Lolotte. Lolotte. Je peux partager avec David les points, il connaissait la réponse. Non, non, mais Lolotte, il n'y avait que j'ai. un point, tu passes à 6 points. Voilà, je laisse les points à Lolotte, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà mon cadeau de Tony, c'est qu'il va monter mon kit Serpente. Allez, j'ai une question. Allez, allez. Question. Attention, c'est parti. Top. Quelle est cette marque de pneus? Je ne donne pas plus d'infos. J'ai les mêmes sous le nez. Allez, André. Je pense que c'est pour André, hein. Sismique David, tu sors. Bon, la bonne réponse est marquée dessus. Je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est là. Ici. Je suis pas sûr que ça arrive à le voir. Schumacher. Voilà. Alors. Oui, André, des cactus, tout à fait. Alors qui? Ah bon, André comme dame. Et André connaît tout, hein. Moi j'ai les mêmes sous les yeux, alors là j'aurais pu. Donc on a André. Il y a beaucoup de sismiques, mais c'est pas bon. David t'avait dit d'abord sismique. T'as pas le droit. Stéphane Gros Filet et Laurent Martin. André, Stéphane, Laurent.
Moi, j'ai Manu aussi, hein. C'est vrai? En avant? Avant celui que j'ai dit? Moi, j'ai, je vois André, Manu, et après Manu, Baf. Laurent Martin. Après, c'est Laurent Martin. Ok, désolé. Laurent Martin, 4 points. Ok. Alors, attends, non, parce que on a David. Non, Ah, on a mais David avait David. d'abord donné une mauvaise réponse. Comme il a donné une mauvaise réponse. Ouais. Voilà. Voilà, ce qui est chiant, c'est que ce gris, il est tellement transparent que j'ai déjà bien chargé les couches là et on voit encore à travers. Ça prend forme. Bah, je suis obligé de remettre encore une couche, je suis désolé, mais les gars, mais c'est obligé quoi. Alors Hugo, je suis désolé, mais je ne connais pas le nom de l'application. Mais je pense qu'en cherchant, bah, tu sais, pour le travail à domicile, pour... Et aller effectuer les travaux chez les gens, des petits Ouais, je bricolages, connais monter pas un non plus meuble. moi. Non, je ne m'en rappelle pas, et puis je ne vais pas déranger mon collègue à cette heure-ci. Mais je pense qu'en tapant dans Google, service à la personne, application, tu dois pouvoir trouver application de bricolage ou en mettant des mots-clés, application bricolage, service à la personne ou des choses comme ça, on doit pouvoir trouver facilement sur Google. Question de David, Tony, tu mets quoi comme graisse dans tes 10 familles de M18? Je sais pas, je les ai pas refaits depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il fallait mettre comme graisse là-dedans? De mémoire, c'était plutôt une graisse transparente. J'essaie de me souvenir si j'avais de la graisse spéciale. Ah, si t'as de la graisse Tamiya en petit tube, David, ça marche bien. Une graisse transparente ou une graisse blanche, si t'as? Manu qui dit de la graisse silicone, je crois. Si t'as de la graisse silicone, ça fera l'affaire. Je pense que le principal, c'est d'avoir de la graisse dedans pour pas les bousiller. Ouais, et puis après là, c'est pour du loisir, donc on n'est plus en mode compète là. D'ailleurs, en pneu, pour revenir aux pneus, c'est vrai qu'on voit beaucoup les choums, hein. En un dixième. Ouais, on a 10e TT sur Astro, je vois quasiment que de ça. Et 6 mecs qui vont bien puis reviennent un peu moins cher. Ah oui. Ben nous, c'est parce que les 6 mecs maintenant vont être imposés en Belgique, à Charleroi. Donc du coup, tout le monde roulait en choum et puis ben du coup là la question se pose maintenant et puis donc il y a une transition qui est en train de se faire. Ouais. Bon allez, troisième couche. Pire, c'est que je suis obligé de la diluer, elle a beau être transparente. C'est que. Ben en plus, c'est sûr que si tu l'as diluée et qu'elle est déjà transparente à la Mais si base, je la ça dilue pas, elle bouche l'aérographe. va être. Oui. Il y a Bumblebee qui nous dit que c'est du lobbying d'imposer une marque de pneus, non? Clairement, je pense que
Il y a comme un partenariat qui s'est créé entre le club et la société sismique, tu vois. Parce que Oui, tout à j'ai fait. vu des affiches dans le local à Charleroi. Il y a des affiches sismiques, donc forcément, ils ont dû faire un truc. Oui, Peut-être un partenariat. ils achètent les pneus moins chers, l'autre il fait sa pub. Donc en échange, ils imposent les pneus. Mais ça permet peut-être aussi de eux de vendre des pneus à tarif plus intéressant pour leurs pratiquants, tu vois. Ouais, certainement. Et puis ça permet aussi d'avoir à peu près tout le monde à même égalité s'il y a des grosses différences après. Exactement. Exactement. Quand je vois la course qu'ils ont organisée, enfin qu'ils vont organiser à Toulouse de piste en 8e, le Challenge GT8 Ouais. au circuit de Toulouse, il y a beaucoup beaucoup de règles. Donc déjà tout le monde doit avoir la même carrosserie. Ce sera une carrosserie de Porsche 911. Et après, il y a plein de règles aussi sur les gommes, sur pas mal de choses pour qu'il y ait le plus d'égalité possible. Ah bah c'est comme le challenge camion Tamiya. Hein. Tu regarderas un coup le règlement, le TAM TETC, là, Tamiya Euro Truck Challenge. C'est strict. Hein. Ouais, je vois. En fait, ce qu'ils veulent, c'est. Leur principe de ce challenge, c'est que les gens roulent pour pas cher du tout et tous pareils. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup eu ça dans la RC, la course à l'armement, où bien sûr devant, tu retrouves tout le temps les écuries qui ont les plus gros budgets, quoi. Ça, c'est dans plein de sports, dans tous les cas, hein, plein de sports mécaniques. J'en mets une grosse couche. Il me semble qu'il y a Tamia qui voudrait faire un Discord. Je crois qu'il est lancé le Discord. Attends, je vais le lancer pour voir. Il peut déjà Dis rejoindre le Tony. salon, vas-y. Ouais, c'est ce qu'il dit, Tony, tu prends Discord ou pas? J'ai perdu le salon. Attends, je me connecte. Deux petites secondes, je vide l'aéro. Ouais, il y a Manu qui dit, il me semble qu'en championnat de France TT Indice, les pneus sont imposés aussi. Ouais, il y a plein de. Ouais, mais c'est que les pneus, tu vois. Ouais. Clairement, ce qui est bien dans le championnat Tamiya, c'est que par exemple, tu achètes un camion, moins de. Ça te revient le camion avec le moteur charbon et le variateur, ça te revient à 150 euros. Tu as les pneus avec dans ce prix-là. Et Ah c'est ouais. les pneus qui sont imposés sur la compétition, tu vois. Donc, pour quelqu'un qui en a marre ou qui a pas un gros salaire, bah, faire ce championnat, ça lui permet de pas être dans l'obligation de voir que des gens à côté, ils ont pour 2000 euros de matériel sur la table, tu vois. Bien sûr, si tout le monde a le même moteur, même variateur, et puis après, c'est ce qui est sympa, c'est qu'il y a juste les réglages châssis qui jouent, des choses comme et le pilotage, quoi. Ouais, il y a David aussi qui nous dit comment DTM, pneu homologué obligatoire. Tout à fait, Manu, plus équitable. D'ailleurs, j'étais en train de constater, Tony, que dans les pneus avant TT en 4-2, il n'y a pas d'insert à l'intérieur des roues. Non. Tu peux en mettre des Ouais. mousses, mais ça dépend quelle marque de pneus. Ah bah là, c'est les choumes, hein. Pour les chaumes, là, je viens de décoller les pneus de mon fils à l'avant. Aujourd'hui, il n'y avait pas de gomme de mousse à l'intérieur. Ouais, mais moi je le vois en touchant. Ouais. C'est des chumes low profile cut. Tamiya, il a perdu le. Il s'est déconnecté du serveur? Ah ouais. Ouais, je Tamiya, pense il est qu'il veut plus que tu lui là. renvoies le lien. Le lien, Tamiya, il est. Je le dis.
Une fois de plus, le lien, il est sur mon profil Facebook. Je vous le remets. Hop. En tout cas, c'est cool qu'il y ait quelqu'un en chat vocal avec moi. Parce que ça m'évite de regarder constamment l'écran. Parce que s'il y Bien a quelqu'un sûr. qui dit quelque chose, tu me le dis à ma place et ça, c'est génial. Du coup, Bah oui. je travaille mieux en fait quand il y a quelqu'un. Mais oui. Et puis c'est sympa, on échange. J'ai remis le lien du Discord si jamais quelqu'un voulait venir dessus. Donc il Ouais, faut non, il y avoir a bon. l'officiel Discord. Ensuite, ceux qui veulent venir en vocal, je donne juste quelques règles. On n'est pas là pour parler des autres chaînes. On est là pour parler du modélisme, de la peinture, tout ça. Et tout ce qui est débat des autres chaînes, on n'est pas là pour en parler. Ça peut m'arriver d'en parler, mais à un moment donné, le sujet, il n'est pas sur les autres chaînes. Voilà. Exactement. Comme les histoires des uns et des autres, en parlant des chaînes, cela ne nous regarde Tout pas. à fait, Thierry. Il n'a pas Facebook, Damien. Il est trop vieux. Oh bah alors, merci Manu, qui dit et David est un bon orateur. C'est vrai qu'on me le dit souvent au travail. Ah, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, je te laisse orater 30 secondes, je reviens. Et si malheureusement Bumblebee, à mon grand regret, il commence à y avoir des histoires entre certaines chaînes et je trouve ça très très lamentable. Parce qu'à la base, ces chaînes ont été faites pour partager la RC et du coup, ben, toutes ces histoires, ça n'a rien à faire au milieu de tout ça. Même si le but premier de ces chaînes continue d'être de partager la RC, c'est vraiment dommage. Ça fait penser un peu à tout ce gouvernement qui se tire dans les pattes en pleine crise de Covid, qui pense qu'à régler leurs comptes alors qu'on est encore dans la crise. Ça, c'est pareil, c'est un autre sujet qui ne concerne pas la chaîne qui est une chaîne RC pour la peinture et les montages de kits. Alors, je réponds à la question, il n'y a pas d'histoire. Ça va, David, je roule sur quoi? Alors, Bumblebee, je me suis remis au modélisme après 25 ans d'arrêt. À l'époque, je faisais de l'invitième piste thermique dans les années 95-98, on va dire. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas de souci, hein, Tony, on en parle, je pense. Hein. Tu peux parler, ils vont t'entendre quand même. Mais oui, c'est ce que je disais. Hein. Je me suis remis à la RC. Pendant le confinement, justement en regardant les chaînes Mani RC Garage, les chaînes Romano Test, la chaîne RC Menuz, qui m'a donné envie de racheter un châssis. Donc on s'est remis tranquillement. Bien sûr, à mon époque, moi, le thermique était la meilleure option à l'époque, puisque les batteries, il n'y avait pas trop de batteries lipo. C'était encore du NiMH avec des autonomies qui étaient très très limitées. Des budgets conséquents. Et du coup, ben, quand je me remets là-dedans, 25 ans après, même si de temps en temps je regardais un peu ce qui se faisait, ben, je vois que le brushless, ça s'est très très développé. Les performances sont excellentes, les budgets ont quand même si ça reste quand même cher, hein, moi je trouve en un huitième, les budgets sont quand même bien descendus et les performances maintenant égales, voire mieux sur certaines catégories. Dépasse largement les performances du thermique. Bon, bien sûr, après le thermique, on a toujours l'avantage, c'est qu'on s'arrête au stand, en 3 secondes, le réservoir est rempli, on repart. Mais c'est une façon différente maintenant en brushless, on n'a pas du tout les mêmes sensations. Et du coup, je me suis remis avec un Arma Kraton 6S. J'avais acheté un kit RTR avec lequel je me suis beaucoup amusé, mais malheureusement tout seul. Donc c'est vite devenu. Bah c'est souvent ce type de voiture, c'est souvent des voitures où tu fais du bâche tout seul en fait. Ouais. Ou sauf, voilà, faut trouver une bande de potes. Mais ça reste. Ouais, souvent tu vas sur des spots, des terrains de BMX. Donc du coup, quand il y a les BMX, eh ben, tu peux pas rouler, hein, parce que bon, tu vas pas slalomer au milieu des vélos. Puis c'est en général les spots de BMX. Ou les choses comme ça en freeride, c'est les mecs qui l'ont fait eux-mêmes, donc
ils en profitent, quoi. Hein. Donc c'est moi, c'est à l'occasion. Bon, je roulais un petit peu autour de chez moi, quoi, on va dire, pendant le confinement, hein, dans des chemins, dans un parc. Et puis, je me suis vite remis, ça m'a vite redonné goût à des machines un peu plus sérieuses, on va dire, et puis à prendre contact, puisqu'à l'époque, je pratiquais la RC dans la région de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et puis, donc, du coup, à Toulouse, eh ben, j'ai commencé un petit peu à me renseigner les circuits qu'il y avait sur Toulouse. Et il se fait qu'il y a beaucoup de circuits à Toulouse, Bumblebee. Il y a un circuit TT, il y a un circuit piste, il y a un circuit Astro pour le TT Indice. Donc, forcément, eh ben, je me suis adapté au circuit qu'il y avait disponible. Et je me suis acheté des buggy Obao VSE. Chez qui? Comment? Chez qui? Bah, des châssis d'occasion, hein. Des châssis d'occasion parce qu'il y a beaucoup de voitures en très bon état qui se vendent, qui n'ont pas trop roulé. Donc d'investir dans du neuf quand tu sais pas exactement ce que tu veux, je trouve ça bête. Si ça te plaît pas, si la machine te plaît pas derrière, en général, tu perds quand même pas mal d'argent. Et puis de me remettre au TT, ça m'a. J'avais jamais vraiment fait de TT avant, sauf on va dire en bâche ou des choses comme ça m'a pas plu plus que ça. Et entre-temps, je m'étais acheté une piste, toujours en occasion, et un châssis Obao GTB. Et là, quand je me suis remis sur la piste sur le club de Toulouse, et ben, je me suis éclaté, quoi. J'ai retrouvé les sensations que j'avais à l'époque avec mon 8e piste. Et puis c'est parti, quoi. Du coup, le TT, ben, j'ai revendu les buggy. Je me suis racheté un deuxième châssis que Tony va monter très rapidement, bientôt, on va dire. Eh, hey, il y Enfin, a je de la dis pas très pression là. rapidement, mais va recevoir bientôt. Je pense que dans la semaine, on devrait être bon. Je devrais avoir reçu tout ce qu'il faut pour le monter. Et je me suis donc du coup mis au TT. Enfin, je vais me mettre au TT Indice. Parce qu'on a aussi une très très belle piste de TT Indice à Toulouse. Avec la Ouais, piste de Fenouillet, tu veux dire. oui, la piste de Fenouillet, ouais. Donc, je me suis acheté un petit XB2 en 4-2 d'occasion d'une personne qui faisait des courses, hein, je pense des championnats de France, puisque il y a toutes les pastilles de contrôle dessus. D'occasion, et voilà, donc sur lequel je suis en train de monter un petit combo sympa que j'ai acheté d'occasion. Déniché sur Facebook d'occasion, mais neuf dans la boîte, jamais monté. Et on va attaquer ça. Donc moi, je me monte le TT Indice. Et puis, comme c'est le créneau à Tony, il n'y avait aucun intérêt que je lui envoie un TT Indice en un X-Ray XB2, puisqu'il en a monté un il n'y a pas longtemps. Mais par contre, on a échangé l'autre fois au téléphone et Tony m'a proposé pour la chaîne, pour avoir quelque chose de différent, de monter mon kit 1/8e piste qui est un Serpent SRX8 GTE. Tamiya, s'il te Alors, plaît, rejoins le lien d'invitation, tu cliques dessus. S'il te plaît, rejoins mon serveur. Bumblebee qui nous dit qu'il a fait la même chose que moi, qu'il s'est racheté un châssis pendant le confinement, ça me rappelle mes 18 ans. J'aimerais bien le thermique car jamais fait, mais les gens sont plus tolérants. Alors, honnêtement, déjà à l'époque, moi quand j'en faisais sur les parkings de supermarchés en thermique, déjà c'était même le dimanche. Hein, si tu habites en centre-ville, eh ben, je peux te dire que les voisins, ça râle. Et donc j'imagine même pas maintenant entre les odeurs et le bruit. Il est impossible de rouler ouais, en pleine ville, oui exactement, c'est ce que tu dis. Hein. Le compromis et le brushless, tout à fait. Hein. Je suis complètement d'accord avec ça. Et le nickel cadmium aussi, oui. Refilé Stéphane, oui. C'était les bonnes époques. Ah, Tamia, il est là, enfin. Alors. David, la piste, c'est le bonheur, oui, tout à fait. Tamia est dans le serveur. Roll RC. Oui, Manu, la Ah, ça y est, on piste pour la. s'entend, Tamia. Super. J'ai vu qu'il y avait aussi Yorkshist qui était là. Je t'ai mis les droits. Tu peux rejoindre aussi si tu veux. Il suffit de rejoindre le serveur Bonsoir, RC. bonsoir. Ah, excusez-moi, je passe un coup de sèche-cheveux. Salut, Tamia! Ouais, j'ai tout à fait. Bonsoir, Tamia.
Saint-Martin. Ouais, David, je t'entends pas là. J'entends très peu Tamia. Bah en fait, c'est parce que David, il faudrait que tu mettes Discord. Vous êtes sur Ouais. deux logiciels de communication différents. Donc, Ah bah, je vais essayer de le faire en même temps. si je mets le son de ma Je finis TV, bah juste de lire les ça va pas le commentaires. faire. Mais salut quand même. Voilà. En gros, y a un... Ah, c'est qui m'a parlé là? Hop. C'est Yorkshist. Coucou, pas compris, tu m'as ajouté le rôle. Oui, je t'ai ajouté le rôle Yorkshist. Donc maintenant, tu peux rentrer dans le salon que tu veux. Enfin, le salon où on est, c'est encore mieux. Alors, Bumblebee, j'ai envie d'avoir un indice pour posséder ce châssis, mais pas de piste. J'ai envie de te dire, si tu as envie de posséder le châssis, ben, prends-toi-en un pour essayer, et puis après, si ça te plaît, ben, tu vas vite trouver un club ou quelque chose aux alentours de chez toi. Et puis, si tu veux pas investir des gros montants, ben, tu t'achètes un châssis d'occasion. En général, si tu l'achètes bien, tu pourras le revendre sans perdre trop d'argent, voire pas du tout. Salut Donc, Bumblebee, quand merci tu pour veux. le doigt bleu. Faites tous comme Bumblebee, mettez-moi un doigt bleu. Ah, mais t'as déjà fait, depuis longtemps. Sur Paris, je me tatouquais. Et David, oui, le GT8 a l'air bien prendre en France. Ouais, moi aussi, c'est ce que je vois. Il y a des challenges qui s'organisent, des choses comme ça. Et je pense que c'est une catégorie qui va faire que monter. 100% RC. On balance Ouais, les 8 juste pour une Mathieu. pub. Oui, Oui, 100% vous entendez RC. bien vous, mais c'est vrai J'ai que acheté la moi j'ai dû couper le 6-8 son de mes GTA enceintes, je Mani n'entends plus comme Custom ça. Mamba X en 8S. Je vais bientôt la recevoir. Je me suis posé la question, moi aussi, 100% RC, de mettre du 8S ou du 6S, parce que j'ai vu que ça se faisait. Mais bon, le budget était un peu plus élevé pour passer en vitesse, et puis le variateur est assez conséquent au niveau taille. Et puis aussi, après, il y a le rapport poids, avec le poids des accus, du variateur. Le rapport poids-puissance et puis l'investissement aussi au niveau des batteries, puisque après tu es sur du 2x4S. Et bonne nuit David. Alors je vais Bonne nuit essayer de me mettre sur. David. Je vais me mettre en mute moi pendant un petit moment, le temps d'essayer de Bonne me nuit. créer un compte sur Discord. Alors en fait tu dois créer un compte sur Discord, installer le Mmh. logiciel et ensuite tu cliques sur le lien qu'il y avait dans le salon à un moment donné dans le chat. Ouais. C'est un lien pour rejoindre mon serveur Discord. Donc en fait D'accord. Discord une fois qu'il est installé tu dois rejoindre un serveur. Une fois que tu es sur ce serveur-là, tu vas rentrer dans mon serveur et il va falloir que je te mette les droits. Pour que tu puisses rentrer dans un salon. Et là, D'accord. c'est ce qu'il va se faire. Et Discord installé sur un Mac, il n'y a pas de souci. N'y a pas de souci, je l'ai aussi sur mon Mac. Il n'y a pas de problème. En D'accord. attendant, mute-toi, mais reste connecté à Messenger. Comme ça, si t'as un problème, je te reprends. Ouais, pas de souci. À tout à l'heure, messieurs. Va, Tamia? Mais ça va être toi? Bah oui. En forme? Ça va, ça va. Un peu mal au crâne à respirer toutes ces peintures. Un peu, ouais. Mais bon, on s'est habitué maintenant. Ah non, pas le crâne, non. Et des fois, j'ai mal au crâne avec ça. Ouais, je veux bien te croire. Hein. Puis ma carou, elle va bien alors, elle est où? Bah écoute, je sais pas. Hein. Tu m'as dit ça une fois, tu sais, ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ah non, mais tu sais que je suis taquin. Mais faut pas me taquiner avec ça. Alors, je rigole. Mais si elle passe sur un TRF, pourquoi pas si je te la rachète. Bon, déjà, hop, acheter taquiner, et puis après, faut voir si. On verra une fois qu'elle sera faite. Hein. Ouais. Ouais, c'est un nombre, ça doit pousser vraiment. Voilà, ça avance doucement. Ouais, je vois, mais quand tu funes, je parle pas parce que je me dis que tu dois pas entendre.
Ah bah c'est sûr que c'est pas évident quand je fais le sèche-cheveux qui fait du bruit maintenant. Il y a David qui a sa Discord. Est en train de le faire. Il est en train C'est d'installer bizarre. Discord. C'est bizarre, j'avais perdu ton salon et tout, j'arrivais plus à revenir. Hein. Même au pire. T'étais jamais rentré dans mon salon. Si, maintenant, oui. Oui, mais les autres jours, non. On était en conversation directe, je crois, non? Non, 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 non. Ah bah t'as dû quitter le salon par un mauvais. Ouais, bah, j'ai quitté le salon et puis là, j'ai pris ton lien et puis en cliquant sur mon téléphone, il faisait tout sauf aller sur le lien. Enfin, voilà quoi, je suis avec le téléphone, moi. Tu vois. Mais c'est bon maintenant, tu vois. C'est reparti. Bon les gars, Oui. je vais commencer à enlever la zone La gris zone clair, d'ombre. mais je pense clairement, vu qu'il est déjà 23h37, je pense pas que je vais m'engager à finir la carreau ce soir. Le but c'est pas d'aller vite, sinon j'ai peur qu'elle soit finie assez tard et il y en a qui vont travailler demain. Je prends mon temps de commencer à défaire les trucs, mais elle sera pas finie aujourd'hui. En tout cas, c'est un sacré boulot, celle-là. Hein. Ouais, c'est clair. Faut qu'elle soit réussie quand même, cette carreau. Bah écoute, je pense qu'elles sont toutes réussies. Il y a des petits défauts là, je les vois déjà apparaître. Comment tu peux avoir un défaut sur une carrosserie camouflage? Bah parce que il faut que les zones elles soient nettes entre elles. Et là par exemple il y a du masque Mais c'est qui a net. des petits défauts. Voilà. Ouais, mais c'est des petits défauts. Tu prends une vraie voiture, tu as plein de petits défauts aussi. Il Bah ça dépend n'y a le prix que qu'une tu la couche. payes. Suivant le prix que tu payes ta vraie voiture, t'as pas envie de défaut. Ouais, mais t'as toujours quelque chose qui. Bah ouais, moi je Je roule sais en pas. Renault, elle a aucun problème. Mais moi j'ai un 3008, mais j'ai dit un rouge et noir avec le toit noir. Et puis. Il y a deux, trois petites. Ouais, je dirais pas que c'est la peinture. Des fois, c'est l'ajustage plutôt. La carrosserie. On parle de quoi? Your schiste? Hier, je vois pas. Tu le vois pas? Où ça? Mais dans ton nom, dans ton live, parce que tu es habitué au problème. Ah, il parle à Ah, je toi. l'avais pas vu. Ouais. En fait, des fois, je regarde les questions et vous, faut pas vous vexer. Si des fois je vous réponds pas, c'est parce que je vois pas tout. Il y a des fois mes yeux, ils voient pas tout. Vous savez, je suis vieux, hein. Ah, il demande si tu roules en Renault sans problème. Moi pas, moi je suis en Peugeot. Un Suisse en Peugeot, hein, t'as vu, hein? Sans problème, sans problème. Et j'en étais tellement content ma première. Enfin, que j'ai changé. J'ai gardé 5 ans une Renault. Et j'en ai racheté une autre. Mais attention, c'est de la Renault moderne. Non, mais Mais moi j'ai aucun toujours problème. comme. J'ai acheté une Mégane en 2013. Une Mégane 3 diesel. Et j'ai eu aucune merde avec. Aucune. Rien, quoi. Jamais eu un problème. Le moindre truc. Attention à ta carreau, Manu, hein, à ce que tu marques. Merci Gers. Gers 66, salut à toi. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais pourquoi tu dis ça, toi? Ah, d'accord, je sais pourquoi. Mais si je t'aime bien. Hop. Bli bli bli.
Bumblebee, pardon. Tu viens pas sur Discord, Bumble? Ah, mais j'arrive pas à dire. Mais... Bumblebee. Bumble. On dirait que la Caro, elle s'est fait attaquer par les mythes d'un côté. Je ne sais pas comment tu fais pour t'en sortir avec tout ça. Ouais. C'est... Je veux bien croire qu'il y a des petits soucis de raccord des fois. Ah oui. Hop. Ouais, ben moi j'ai aussi mon fils qui dort, ma femme qui dort. Après ma femme, elle m'entend, elle demande à qui, elle me demande à qui je parle au milieu de la nuit. Alors voilà quoi. Mais je comprends. Je comprends. Mais une fois, Bumblebee, c'est vrai que c'est sympa. Il faut te parler. Mais allez, toi, découpe-toi. Ah, dis Avec donc. plaisir, Bumblebee. Karim, il est parti. Tu fais un appel. Hein? Ça tient bien ce chewing-gum, hein? Ouais, bah y a des fois tu passes le cutter, mais là c'est. Et des fois ça. Ça se découpe pas bien. Alors là, faut que j'enlève les zones numéro 2. J'envoie une deuxième ici. Ah, ton fils dort aussi, Manu. Ah non, ton fils. Son fils, il est Moi grand. aussi. Oui, non, mais parce qu'il dit moi aussi, fils. Ah, fils, ok. Je, voilà. Ah, ils se parlent entre eux. J'adore, ah, super. À 100% RC. Mais non, je ne fais pas des infidélités. C'est un Suisse, il n'est pas du Pays Basque. Hein. Non, mais je suis sur la chaîne de Romanotes. Ouais, je sais, je C'est sais, pour je sais. ça. Justin and Christ, comment ça va? Allez, mais décolle-toi, toi. Je ne suis pas un Suisse basque, 100% RC. Mais comme je disais, comme on disait tout à l'heure, on apprend sur toutes les chaînes, voilà, c'est comme ça. Alors, rebonsoir, je pense que je suis sur le Ah, il y a salon à quelqu'un. Tony. Oh, bah non. Tu peux pas y être, je t'ai pas mis les dents. Ah, j'ai pas vu J'ai apparaître. un petit. Alors, tu t'appelles David Toulouse. Ouais. Je te mets les droits. Tu es connecté au serveur, mais tu n'es pas dans le salon. Maintenant, à toi de rentrer dans le D'accord. salon RC Touring. Voilà, je t'ai mis les droits. Ok. Et il y a un Manu plus 73 aussi. Manu Ok. 73, je t'ai mis les droits. Voilà. Par contre, on raccroche Ah, sur. t'es Suisse et Belge, 100% RC. Voilà. Ok. Allô, allô? Oui. Allô, qui Eh est-ce? ben, c'est David Toulouse, Tamiakit. Ah, t'as changé de voix. Ah oui, t'as pas la même voix, oui, salut Ah, c'est David. possible, c'est possible. Ah, c'est marrant ça. Ok, ah bah oui, David Toulouse, c'est marqué, je suis bête, excuse. Ah, c'est vrai que ouais, le son est bien meilleur. Donc, Ah je ouais, non. suppose qu'il faut laisser tourner cette application en fond et tout simplement me remettre sur YouTube. Oui, Ouais, mais mais même pas les. par contre, tu Mais pas couperas les. le son de YouTube. Voilà.
Oui, là, il est coupé. Ils auraient peut-être moins de décalage parce qu'avec Messenger, il y avait quand même un sacré décalage entre l'image et le son. Mais il avait un Messenger du Sud, tandis que Discord, il est peut-être pas du Sud, c'est pour ça que c'est pas le même accent, Manu. Ah, j'entends plus rien, moi. Pourquoi? Mais c'est ce que je parle plus. Hein? Quand j'ai du mal, je parle plus. Messenger du Sud est plus là, attention, hein. Là, est-ce que je suis là? Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression par contre que quand je bascule sur la fenêtre YouTube, vous m'entendez plus. Non, non, Discord, tu peux le mettre en arrière-plan sans problème. Là, du coup, vous m'entendez alors? Ouais. Oui, non, moi je t'entends en tout cas. Je demandais à 100% RC, il a dit, t'étais suisse et belge ou bien c'est à moi que tu me demandais? Je suis pas belge, je suis 100% suisse, Bumblebee. C'est parce qu'en fait, les accents suisses, des fois, font, pour ceux qui connaissent pas trop, ils font penser aux accents belges. Ouais, peut-être. Enfin, on parle un peu la même chose, hein, parce qu'on dit pas 90, 70. Les Belges non plus. Voilà. Par exemple. Il faudrait que j'aille revoir. Alors, c'est sûrement un de ces sketchs, mais je m'en souviens plus. Alors. Le sketch qui? De Coluche, Bumblebee dit la Suisse et la Belgique, c'est pareil. Il demande à Coluche, mais dans quel sens? Ouais, 70, exactement. 80, 90. Y a-t-il les Canadiens? Non, ça c'est en Suisse, on dit. Non, mais les Québécois, ils disent ça aussi. Ouais. Franchement, il y a les Belges qui disent comme ça, les Québécois, les Suisses. En fait, il n'y a qu'en France, on dit 60, 77, par exemple. Ouais, mais ça représente plus de monde. Ça y est. Oh, ben nous, on est une petite minorité en Suisse, hein, de francophones. Il y a Ah, mais j'ai déjà eu tellement de 68%. débats avec les Belges là-dessus. Mais c'est vrai que de dire 70, c'est quand même plus cool après 60 de dire 70 que de dire 70. Voilà. C'est nous les Ouais, mais Français. bon. C'est nous les Français qui sommes bizarres. Voilà. Je sais pas, moi ça me dérange pas en tout cas. Principal, c'est de se comprendre. Ouais, bah c'est quand vous dites les prix des trucs, on comprend Ouais, et puis on n'a pas les euros non plus, donc faut faire la rien. conversion. Ah, vous avez pas les euros en Suisse. C'est quoi, des francs suisses? Non, au Québec. Ah, mais t'es Québécois, Fluctet. Ah Ah, oui. je bois si jamais, hein, le bruit. Mais si en Suisse Chez vous avez soi. les euros, qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas. Mais non, on est en France-Suisse. Y a pas les magasins avec ça n'existe pas les euros? Si, oui, non, d'accord, mais c'est vrai que non, on a le France-Suisse en général. D'ailleurs, c'est la grande guéguerre parce qu'on essaie toujours de s'aligner à l'euro pour pas qu'il soit trop haut le franc suisse par rapport à l'euro. Mais il est plus bas, mais un petit pas grand-chose.
par rapport à avant. Ah, t'as vécu 10 ans. Ok, Flupke. Flupke. Par contre, ton pseudo, là, il n'est pas facile. Hein. Flupke. Il y a quel âge? Qui, moi? Non, Flupke. Ah, là, maintenant, il dit qu'il a vécu 10 ans Ah, au j'ai compris, Québec. j'ai 10 ans. Manu. Je pense qu'il faut lui réussir sa carrosserie, parce que là, il blague un peu beaucoup trop. Là. Mais non, il... En tout cas, le fiston, il est content pour l'instant. Hein. Je dis bien pour l'instant. Non, non, mais. Ah, ben, il est là, Karim. Et tu t'es endormi ou bien? La faute à Termia qu'on parle comme cela. Oui, c'est de ma faute. En fait, Karim, t'es de quelle région? T'es en France ou bien t'es en Belgique? Ou bien outre-pas? Ouais. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Ah, Mais il est de Versailles, d'accord, je tu suis de parlais plus Versailles. là. Eh bien, ouais, mais justement, je me pose la question parce que j'ai l'impression que quand je reste trop longtemps sur la fenêtre YouTube, Ah, est-ce que vous t'as deux m'entendez pas. écrans? Non, j'ai qu'un écran. Ah, mais normalement Discord, tu sais, c'est le logiciel qui est utilisé par tous les joueurs. Tu peux le mettre en arrière-plan d'un Ouais. jeu et il continue à fonctionner sans problème. Donc Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça marche. t'es sur Mac? Ouais, un MacBook Air. Ouais, c'est bizarre, moi je l'ai sur Mac Là, vous m'entendez? Ah Oui, ouais on bah t'entend bien, moi je t'entends bien. moi je l'ai sur Mac et je l'utilise sans problème. Ouais. Moi j'ai une version un peu spéciale. Moi je suis sur mon iPhone pour Discord et puis YouTube sur la box, là, sur la TV. J'aurais peut-être dû mettre le Discord sur mon iPhone, effectivement. Ouais, ça marche bien, écoute. Façon, maintenant que tu as créé un compte, Ouais, voilà. tu peux Oui, et l'utiliser. puis de toute façon, j'ai. Faites. Sur ton Après, ce iPhone. que j'aime. Ouais, vas-y, Tony, Tamia. Je disais, si tu as l'application, il faut juste télécharger l'application bah sur l'Apple Store, le Discord et tout Ouais. ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un super son sur le MacBook. Le son est vraiment mieux que sur le téléphone. Bah, écoute, moi j'ai un iPhone, je sais plus, 10, 11, enfin voilà, ça va tellement vite maintenant. Mais le son, ça va pas mal. Dès que je pars en Ouais, j'ai Belgique. le MacBook Air. Ah, ils sont bien les MacBook Air, ouais, ils sont super, ils sont Ah ouais, pratiques. le son est. Le nouveau là, il y a des haut-parleurs des deux côtés, ils ont changé les micros. C'est vraiment le top du top. Moi j'ai un iMac aussi, ça va pas mal, c'est pas trop mauvais non plus. Mais j'aime mieux être dans mon salon sur la TV, là en grand, en 4K. Mais Tony veut pas faire ses lives en 4K. Bah, tu sais, c'est des webcams à 30 euros. Hein. Non, mais Le jour où elles seront en 4K, ceux-là. je rigole. Non, non, bah YouTube, moi, en HD, ça suffit largement, quoi. RC 3D, il est de RC 3D qui te dit. Versailles. Dès que je pars en Belgique, je t'appellerai, on ira voir. Mais je pars en Belgique, où tu parles à qui? Je suis Suisse. Moi, ce que j'adore particulièrement chez les Belges, c'est qu'au lieu de dire tu peux me faire ça, ils disent tu serais pas. Tu serais pas Hein? venir boire un café avec moi. Ça Hein? m'éclate. Et ils disent tout le temps, Ouais. et ils disent tout le temps tantôt. En Suisse. Oui, en Oui, tantôt, ouais. Suisse. En Suisse, Karim, pas en Belgique. Et tu peux déménager en Suisse, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai failli travailler en Suisse, moi. Ah ouais? D'accord. Ouais. Mais Comme je travaille dans tu. l'aéronautique, Ah ouais, à l'époque, j'avais l'aéronautique. une. Puis les salaires, ils sont Ouais, sympas j'avais en une Suisse, hein. proposition. Ouais. Une position de quoi, à l'aéroport à Genève ou bien quelque chose? Non, rien à Ouais, voir. à Genève, ouais. Ouais, à Genève, chez TAG Aviation. Ouais, d'accord. Non, C'est vrai aviation. que j'irai en Gruyère. Oui, c'est juste la Gruyère. Moi, je suis pas loin de la Gruyère, Karim.
Chantal Gruyère et puis la capitale. Je suis à Fribourg. C'est vraiment une carreau de malade. Oui, Hein. Manu. Un design de malade. Il paraît pas Et plus compliqué ce design, mais précisément, on pour y répondre passe à un coup de Manu, fil. je suis dans la peinture aéronautique. Ah, la peinture aéronautique, ça c'est. Ok, d'accord. Pas mal. C'est pour ça qu'il m'espionne. Oui. On blague pas sur la peinture, là, je pense, hein. Je suis suivi par des gens qui bossent dans la peinture de l'aéronautique. Ils ont vu les peintures Tony Hersey, ils se sont dit, oh là là, lui, il faut l'espionner. Moi je fais de la Non, mais c'est. moi je fais de la peinture Tamiya quand quand il y a que du bleu à mettre et des autocollants. Ouais, tu fais de la bombe du coup. Ouais, non, mais moi je suis absolument pas spécialiste de la peinture. Dès que ça dépasse de couleur, c'est la panique. Oui. Comme ça, tu vas acheter des bouteilles d'eau à 4 €. Comment ça, tu peux acheter des bouteilles d'eau? Mais tu dis quoi, Bumblebee, en Suisse? Okay, non, non, c'est pas si cher que ça, la Suisse. Pourquoi tout le monde croit que c'est cher? Ben pourquoi le SMIC il est à 4000 euros en Suisse? Quoi? Le SMIC il est à 4000 Oui, euros en mais Suisse. 4 000 euros, quand même. Non, Ouais, mais ça. je connais des amis suisses, se loger et tout, ça coûte très cher. Hein. Ouais, c'est clair, hein, En rapport à. une maison, c'est super cher. En Suisse, on n'est jamais propriétaire avant 60 ans, hein. Enfin 60 ans de crédit, quoi. Allez, donne-nous un prix pour une maison Ah normale. ouais. En Suisse, une petite villa, ben on va dire 150. Mais ça dépend, si c'est au bord du lac, sur la Non, côte, une ou bien. villa normale, pas au bord du Non. lac à Genève. Une villa, allez, une Normal. maison de 120 mètres carrés avec 800 mètres carrés de jardin et 4 chambres. Combien ça vaut? Allez, entre 600 et 700 000 francs, ça fait. Et pas Faut convertir forcément en. dans une ville bien cotée. C'est ce prix-là. C'est en Allez, campagne. Lausanne. En campagne. Oh, Lausanne, À non. Lausanne. Ah ouais, c'est Lausanne, quand même oh. super cher, quoi. À Lausanne, ouais, je sais pas, ça dépend aussi de le quartier, quoi. C'est comme à Paris, quoi. Bon, à Paris, c'est cher aussi, hein. Par exemple. Les villes, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Moi, je suis à la campagne, ça va. Mais les villes sont vite, sont les loyers, tout ça, ça flambe, quoi. Mais une villa à la campagne, dans un village, je sais pas, style. Pas qu'est-ce qu'il y a comme village, Ouais, enfin, un 7 000 village. habitants. Voilà, bah, faut compter 600 000 700 000 francs, ça, ouais, faut. Salut Bouli GTA. 650 000 euros, peut-être, pour une villa, ouais. C'est quoi formateur Ouais, BIA? ça reste. Dans l'hélico et formateur BIA. Manu, oui, je suis un Je peu dans sais pas si c'est l'hélico. Manu, mais il y en avait un qui était rentré dans le serveur Discord, je lui ai donné les droits. Je crois que c'est Manu ou Hugo. Voilà. Ah, je sais pas alors. Je sais pas. Attends, je vais jeter un œil. J'ai toujours vous. Enfin, on a toujours les trois. Un chalet de 12 pièces à Gstaad. Ouais, alors Gstaad. Gstaad, ça se réécrit pas comme ça, mon cher Manu. Quel carreau de malade. Mais qui c'est qui m'a demandé de faire ça, franchement? Sais pas. En tout cas, faut le kicker, celui qui t'a demandé de faire ça. J'arrive même pas à voir mes numéros, je vous jure. Ça, c'est noir. Aussi dans l'aéronautique, André? Il est dans l'aéronautique, André? Sais pas, ou bien j'ai mal. Il parle de brevet, alors je crois que brevet d'initiation. Non, moi je. Non, mais j'ai mon quoi? BIA. Enfin, ça, je sais pas ce que c'est un BIA. Moi non plus. Un brevet intelligent artificiel. Un brevet avec Google intégré. Quand tu as ton brevet, après, si tu entends OK Google, tu donnes la réponse tout de suite. Ah non, je suis prof de SVT, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Je m'excuse, André. SVT, J'arrive pas. c'est science et vie de la Terre. Pardon?
C'est science, comme nous on était jeunes, on appelait ça science naturelle. Ah, sciences naturelles, ok. Ah, t'es Ouais. professeur, Salut d'accord. Cyril G. Ah, un brevet de base du type code de la route. D'accord. Pour l'aéronautique, Manu, tu dis? Moi, j'ai juste un permis de voiture, un permis de bateau. Bah écoutez les gars, je trouve ça bien sympa que vous me rejoigniez un peu en vocal. Parce que je me sens moins seul devant une vingtaine de personnes. Voilà. Ah, on a reperdu David Toulouse. David? Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Vous me rentendez, non? Là ouais. Oui. Eh ouais, j'ai l'impression que ça se met en veille, Regarde un le peu Discord. les. Normalement, Discord ne En fait pas être. ça. Regarde un Bah peu les préférences, c'est en bas à gauche dans Discord, t'as une roue crantée. Et regarde un ouais, petit c'est ce peu que je ce qu'ils suis en disent dans train de les préfs. regarder. Mais normalement, ça fait pas ça. Tu n'as pas encore ajouté ton numéro de téléphone. Non, ça c'est. Activer Ah, ça c'est pour. l'authentification à deux facteurs. C'est chiant ça, l'authentifiant. Tu sais, pour l'instant, Discord, Ça, il te c'est sert. machin à la Apple. Non, mais c'est parce Bon, c'est. que pour l'instant, ton Discord, il te sert pas à grand-chose à part rejoindre le live. T'es pas obligé de le faire tout de suite, ça. C'est pas franchement Oui. utile. Alors là, Voix et j'ai. vidéo, paramètres de l'appli. André, Vérifier. Sortie défaut. bon, je crois que j'ai fini d'enlever les zones 2. Mais André, tu as passé. L'air, mais ça concerne quoi? Alors, je viens peut-être de comprendre, parce que j'ai l'activation du micro qui est en détection de la voix. Où je peux le paramétrer en appuyé pour parler. Non, tu le mets en détection de la Non. voix et tu mets automatique. Ouais, donc c'est comme ça qu'il est paramétré. Alors je vais peut-être monter la sensibilité de la détection de la voix. Si tu la montes, ça veut dire que tu désactives le mode automatique. Ouais. Bah, écoutez, on va voir, hein. Vous m'entendez toujours? J'arrive pas à me relire là. C'est quoi alors? Ça doit être du jaune. Du noir. Mais non, parce que là c'est du jaune aussi. Ça doit être du 2. Ah, c'est qu'on marquait quoi là? Si c'est du 2, ça le fait. Allez, on va dire que c'est du 2. On dirait que c'est encore pire. Non, ça marche, je t'entends là. Ouais. Bah, on t'entend. Finalement, il y avait un quatrième qui devait venir ou bien pas? Non, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y en a qui ont pris l'invite Discord. Ah. Je me demande si c'est pas Manu Bafou d'ailleurs. Voilà. Je sais pas. Il est où mon noir? Il est là. Zone 2, c'est gris. En fait, il y a zone 2 et zone 3, c'est deux gris différents. Zone 2, c'est gris clair. Et zone 3, c'était gris moyen foncé. Et là, je vais réparer une petite griffe qui vient de se faire toute seule en décollant le film. Voilà, t'as griffé la carrosserie. Non, puis comme il y a son futur propriétaire qui m'observe sur une télé 4K, attention, hein. Je dois Mais faire moi gaffe. aussi, hein, je suis sur une TV 4K, je t'observe. C'est moi sur Discord, mais là, ma femme est couchée, je parle pas trop fort. Mais on te voit pas, Manu. T'es où sur Discord, là? En fait, Manu, il a dit quoi? Manu, j'ai pas de souci avec plaisir. André, je suis comme toi, prof. C'est moi sur Discord, mais là, ma femme est couchée. Donc ouais, il est connecté, mais il Ah. vient pas parce que ça sert à rien. Sa femme, elle va l'engueuler. Moi, je peux parler. Hein. Ouais. Ma femme, elle dort, hop, hop, deux étages au-dessus. Et c'est des dalles en béton armé. C'est l'avantage de ma maison, c'est que c'est des bonnes dalles bien épaisses. Mais nous aussi, on est sur deux niveaux, donc toutes les chambres sont à l'étage aussi, donc ça va. Sur Discord, on entend que Tamia. Bon les Non, gars, il y a David.
Ouais, j'essaye de paramétrer. Qu'est-ce qui se passe, Tony? Les gars, j'ai fini d'enlever la zone 2. Donc j'ai peint actuellement. J'ai fait le dessin. Ça m'a pris pas mal d'heures. J'ai fait le cutter. Ouais. Ça m'a pris pas mal d'heures. En fait, Manu, je te le dis, hein, on va augmenter le tarif. Et donc là, j'ai peint le noir. J'ai peint la zone gris foncé. Il me reste le gris clair à peindre là maintenant. Je suis prêt. Il me est au. Voilà. Putain, c'est marrant, il n'y a pas de trou. Là, c'est du noir ça. Il me reste après le gris clair à défaire les zones jaunes et les tours de vitre à peindre en jaune. Derrière le gris clair, il faudra que je mette du blanc. Ouais, du blanc. Derrière le jaune, bah après je ferai un backing blanc. Donc comme il est déjà minuit 6, je pense que soit je peux faire tout de suite une petite couche de gris, mais sinon je vous propose que je fasse juste une couche de gris. Et puis après on coupe le live. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une petite couche de grippe après macaro. Donc Non, c'est bon. je me suis fait un mélange de gris très clair. Ce n'est pas du blanc. Voilà, donc j'ai fait un mélange de gris clair. J'espère que j'en avoir assez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pas de sushi. Il y a tout le monde qui est parti, mais on voit plus personne à part Manu. Non, c'est bon, ils sont là. Il y a 20 personnes connectées. Ça m'a l'air liquide, ça. On se concentre sur ce que tu fais, hein. J'ai Léon Zitrone. Vous trouvez pas que Tamia, il a la voix de Léon Zitrone? Ah bah Léon Zitrone, Galabru, et puis tu m'as dit quoi l'autre jour? Maître Capello, alors ça change tous les jours. Maître Capello, c'est pas moi qui ai dit que Maître Capello. 100% RC, il est là, il observe. Bon, là, c'est mon mélange. Il est ultra liquide. Alors, comme je l'avais déjà dilué, et là, je l'ai redilué. J'espère que ça va aller. Va faire un petit test. Ouais, Oula. Maître Capello, c'est toi qui m'avais dit ça, Manu. Mais... Et il a l'air Encore, content. C'est cool. il est 18... Il est 18h chez Gers 66. Il est où, lui? 18h, ça fait où, ça? Au 18h. Québec? Non. Oui? Ouais, T'es il est du 18. Québec? Ouais, c'est ça, il doit être de Québec. Tu sais, il existe des autocollants Simpson, hein? Ah oui, 100% RC. Ah yes. Tania a la même voix qu'un copain suisse de Genève. Ouais, mais écoute. Peut-être au niveau de l'accent, c'est possible. Trop simple, les Simpsons, tu crois? Qui c'est qui a dit trop simple? 100% RC. Denis, tu oublies une partie derrière. Attention. C'est ce que je regarde. Manu, tout de suite prêt. C'était Lolotte tout à l'heure qui avait des yeux de malade. Ouais, mais Manu aussi. Bon, moi, je vais essayer de relancer le Discord. Mais on t'entend pourtant. Ouais, mais on n'entend que quand je vais sur la page de Discord. T'es sur la page? C'est une Ouais. appli normalement. Ben ouais, mais j'ai une page qui est Dis-moi pas lancée. que tu utilises Discord en mode web. Ben, je pense, hein. Attends, t'as pas installé le logiciel? Si. Parce qu'en fait, tu peux utiliser Discord en mode web en étant connecté à leur site. Et ça, c'est de la merde.
Ah bah, je pense que je suis là-dessus. Donc je vais essayer de faire des manips pour retrouver. J'ai téléchargé l'appli. Et quand je la Essaye. lance. Ouais. Puis t'essayes, ouais. Ouais, mais quand je la lance, l'appli, ça me met une page Discord. Après, j'ai une flèche et c'est marqué application. Et quand je clique dessus, ben, ça m'ouvre la page application, mais je ne trouve pas Discord. Tu maîtrises bien Mac ou pas vraiment? T'as lancé l'application Discord dans ton dossier application? Mais c'est sur le téléphone autrement. Non, mais ça doit marcher sur Mac. Salut Bouli, je t'avais encore pas vu. Salut Bouli. Là, je reviens. Vous m'entendez? Oui. Oui. Mais j'arrive pas à installer cette application. En fait, est-ce que tu as un... T'as combien de logiciels d'ouvert là en ce moment même? Oh là. T'as pas l'air d'être à l'aise avec ton Mac. Ouais, mais Discord, quand tu connais pas, c'est un peu la galère des fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux. Hey, Jonathan, salut. Qu'est-ce qu'on a eu là? Là, c'est moi qui bouge la caméra. Hein? Pour que vous voyez mieux. Merde, ça vient de se boucher, mon aéro. Hey, il y a Karim. Benzema? Bonsoir, messieurs. C'est toi, Karim? Ouais, c'est moi. Salut. Ça RC, va? Tony. Karim, RC 3D. Ouais, Oui. t'inquiète pas, Tony, je reste pas longtemps. Ah non, Je mais je reste pas longtemps. m'inquiète pas, c'est parce que j'ai jamais entendu ta voix. Salut à toi, bienvenue. Enchanté, enchanté, monsieur Tony RC. En chantier. Mes hommages. Ah non, mais il n'y a personne de mort. Hein. David de Toulouse, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Il va bien ce QS show alors? Ah, c'est bouché. Le Kyosho n'est. Alors, le Kyosho, je ne l'ai pas encore monté. Il me faut que je foute les roues. J'ai un petit truc à régler encore dessus. Et après, je vais le tester. Ah. C'est bouché. Ouais. Il est magnifique, hein. Une belle mécanique, hein. On peut pas... Ouais, non, on peut ils sont pas... beaux. Ouais, on peut pas dire le contraire, hein. C'est vraiment une belle mécanique. Le MP10? Ouais, le MP10E, ouais, il est pas mal, quoi. Bah, de toute façon, Kyosho, c'est une superbe marque. Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait plusieurs temps depuis que t'es malade, Ouais. alors. J'étais... Ouais, putain, j'ai chopé la chiasse, mec. Je te jure, je te Hey, raconte t'es en pas. live, hein? Pardonnez-moi, on est en live, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai chopé un inconfort vraiment inconfortable. Voilà, D'accord, désolé. ok. Ouais. D'accord. Ça va un peu mieux, je prends du coca, tu vois, j'écoute ce que me dit Tony, j'ai Docteur. pris du coca sucré. Ouais, non, mais c'est vrai, il a raison. Ouais. Comme ça va essayer de me solidifier un peu tout. Enfin bref. Après, il faut aussi manger du riz blanc, hein. Ouais, du riz blanc, Et ouais. J'ai pas. demandé à ma femme qui a me lancé un steam, tu sais, les Et tu le rinces pas à l'eau, rice ton riz. cooker, C'est là. hyper important, faut pas le rincer à l'eau. Ah ouais, d'accord. Si tu le Ok. rinces, ça enlève le pouvoir soignant. Il faut faire cuire ton riz Ouais, c'est. dans le minimum d'eau. Je crois qu'il y a Et tu du. gardes C'est le. quoi qui est dedans? Je sais plus, C'est mais il faut garder. le. C'est ça qui va faire du bien à tes intestins. D'accord, c'est le. Comment on appelle ça? C'est l'amidon, c'est ça? Bah pour les patates, L'amidon qui ouais, fait mais pour ça. du riz, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais. Ouais, il y a de l'amidon en tout cas, mais. Ouais, je Mais c'est crois que c'est vrai de l'amidon de riz, ça doit être l'amidon qui fait ça, ouais. Ouais. Ah bah ça fait plaisir de t'entendre. Je suis Ouais. très heureux d'être avec vous, les mecs. Bah pareil, merci à toi de venir, c'est cool. Toi aussi, Ouais. là. J'avais pas osé parce que j'étais un petit peu intimidé, je me suis dit peut-être, bon, enfin, je sais pas quoi. Je me Toi, suis fait tu. intimider. Ah, puis après, il y Ouais. a Mumuse, il Là, va je l'engueuler. Comment? Après, il y a Mumuse, il va l'engueuler.
Non, pas du tout. Non, non, tout le monde est libre. Mumus, je l'aime bien, il le sait, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il nous laisse libre. Je veux dire, on est libre, quoi, on fait ce qu'on veut. Et non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avec Mumus, il est très compréhensif, hein. Heureusement d'ailleurs. Ah, il est cool, le mec. Très cool, les gars. Non, pas de souci de ce côté-là. Pas de souci de ce côté-là. Alors, 100% RC nous dit qu'il est cuisinier puis qu'il donne au... à la maison de retraite du riz en cas de gastro. Ah ouais, peut-être que ça fait du bien, hein. Peut-être que ça fait du Qui c'est bien, qui a hein, dit le ça? riz. Oh ben ça c'est prouvé, archi prouvé le riz. Ouais. Le riz un peu de coca. Mmh. J'ai dit Ouais. de tenir c'est la chaîne santé et nature. Ouais. Exactement. Chaîne santé nature et peinture. Ouais, peinture. Discord a installé l'application, enfin elle est installée, mais j'arrive pas à la démarrer. Alors, j'ai dis pas l'autre, merde, j'arrive pas à le mettre. Ajouter masculin. Non, c'est bon. Hop. Hey Jason, si tu veux, je t'ai rajouté le doigt de modérer. Pour une autre raison, c'est que tu peux mettre le lien de ta chaîne si tu as envie d'en parler. Voilà. Ah, Jason and Shane, bah écoute. Ouais, mais c'est Il est pas. Alors, généreux. j'aimerais. Jason, il a dit si, amidon pour le riz. Donc, Jason ne fait pas de modélisme, ne fait pas d'RC. C'est un ami qui Ouais. écoute ma chaîne en permanence alors qu'il pratique pas du tout. Par contre, il voudrait lancer sa chaîne YouTube En en cuisine. gastronomie? Ouais, il est cuisinier gastro normalement. Et Ouais. donc, si vous aimez bien un petit peu la cuisine, j'aimerais bien qu'il mette le lien de sa chaîne qu'il a créée hier. Il a encore Ok. un seul abonné, c'est moi. Et il faudrait lui donner un petit coup de pouce. Jason, si tu as envie, tu mets le lien de ta chaîne. Avec Ben plaisir. d'accord. Avec plaisir. Moi, j'aime bien la bouffe. Là, tu nous as, tu commenceras par la cuisson du riz pour ceux qui sont pas bien. Voilà. Tu me feras une petite dédicace. Ah ok, 100%. C'est à l'époque que non, tu es pâtissier. Ok. Ah, il est pâtissier en plus. Non, ben non, 100% R, c'est quelqu'un d'autre là. D'accord. Hein, qui est aussi dans la cuisine. Ok. Et toi, Tamia, je suis sûr que tu aimes la cuisine aussi. Ouais, j'aime bien. C'est vrai. Moi, j'aime bien manger. Moi, j'aime bien manger, j'avoue. Après le cuistot, je suis pas terrible, mais j'aime bien manger. Tu veux dire que t'as un gros ventre? Non, j'ai perdu. J'ai perdu. Non, j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de poids, moi. Après ça, on peut bien manger, puis faire attention, c'est vrai. Ouais, voilà, non. À l'époque, j'aimais bien me remplir la panse. Maintenant, vu que j'ai vieilli, parce que bon, j'ai un certain âge, j'aime bien les trucs de qualité. En fait, pas spécialement super cher, mais quelque chose de fin, de raffiné, tout ça, je trouve que c'est super, quoi. Tu t'éclates, en fait. C'était le McDo, Style McDo, oui, t'as raison, ouais. Ouais, sandwich grec et style McDo, ah bah oui, alors elle est belle. Pour moi, franchement, le un big. McDonald's, pour moi, j'ai l'impression que c'est du carton. Ça Excuse-moi. dépanne. Voilà, ça dépanne. C'est vraiment pour dépanner, mais qu'est-ce que je me sens mal après? Non, Voilà. c'est vrai. T'as vu Jason, ça parle cuisine ici, hein? Eh, hey, c'est un stream RC et cuisine. Bah ouais, Hey elles sont, Jason, viens elles sur sont le peu. chat de Discord parler de ton site, vas-y. Il va être gêné comme tout là. J'aime bien ta voix, Jason. Alors Ah voilà, ben Manu, qu'est-ce que vous en pensez? On commence à deviner la carrosserie. Voilà. Là, ça fait vraiment militaire, là. ouais, voilà. Au début, je te dis sincèrement, je me posais la question. Est-ce que c'est une carreau militaire ou est-ce que c'est une vache? Parce que ça aurait pu très bien être une vache. Au début, ça faisait Ça très aurait pu vache, hein, très. quand même. Ouais. Non, ça aurait pu très bien être une vache, mais sans, tu vois, sans me moquer, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui kiffe les vaches. Il a fait une carreau vache. Ben, en fait, c'est en fait, normalement, il s'appelle Manu Bafou, mais normalement, c'est Manu Vache Folle. Voilà. D'accord. Manu Vache Folle, alias Crossfeld. D'accord. Okay. Donc là, pour l'instant, ça fait très militaire, mais la dernière couleur, elle va casser cet aspect militaire, puisque ça va être du Ouais. jaune fluo. Jaune fluo. Ouais. D'accord. Non, pas fluo. Ah oui, c'est vrai, j'allais mettre du jaune fluo, je me fais engueuler, moi.
Non, Du jeune Ouais. quoi, canari? Bref. En fait, c'est pareil, je dois faire une recherche de teinte. En fait, je vais prendre du jaune normal et je vais Ouais. l'éclaircir un petit peu. Parce qu'en fait, il veut la couleur de son aileron qui est jaune. Ça serait ma carrosserie, moi je mettrais du jaune fluo. Ouais. Peut-être que jaune fluo, ça fait un peu trop acide. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est dur à dire. Attends, j'en ai là-bas sur un camion. 100% RC. Jaune tout court. Moi, j'ai du jaune basique, mais pas du tout court. Il s'appelle pas tout court. Voilà. Alors, les gars, si vous avez vu dans le chat passer, il y a mon ami Jason qui a mis le lien de sa chaîne YouTube. Il a un abonné. Ou il a peut-être maintenant, il a dû envoyer le lien à sa mère et à ses frères. Donc, il doit avoir 5 abonnés maxi. Si vous avez envie J'irai voir de après. voir ce qu'il va. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéo. Mais si vous avez envie de voir, il va faire des lives de cuisine et des vidéos de cuisine. Franchement, ça vous coûte rien de l'aider pour l'instant. Vous vous désabonnerez dans un mois, mais aidez-le pour se lancer. Mais qui nous mette le lien? Il Moi, l'a j'ai un mis. petit bug là sur ma. Il l'a mis, il l'a Tu mis. sais, d'accord, parce que moi j'ai un bug sur ma. Tu sais, j'ai une Apple TV. Et en fait, tous les anciens. Tous les anciens, comment dire. Tout ce que vous avez écrit, en fait, c'est resté collé. Et en fait, j'ai tous les autres qui sont par-dessus, donc je vois plus rien. Je suis obligé de rebooter tout le temps ma machine. Donc là, je vois aucun commentaire en fait. Apple, Là, tu c'est un peu vois. c'est bien Apple. chiant. Ouais, ça merde. Donc là, je vois rien. Je vois qu'il y a marqué salut RC3D. Je sais même pas qui est-ce qui m'a salué. Et moi, j'aime bien retourner le salut, mais là, je sais pas qui est-ce qui m'a salué. Donc je vais rebooter tout à l'heure. Mais avec plaisir que je m'abonne à sa chaîne. Avec plaisir. Alors, on va aller voir ça. non, Hugo, je pense que ce n'est pas une première, la carreau comme ça. J'en ai déjà vu, je suis quasi sûr. D'ailleurs, je me demande même si Mumuse, il n'a pas une carreau militaire. Ah bon? Ouais, je me Je demande. sais pas. Voilà. Je sais pas. Moi, je m'arrache les cheveux avec essayer de démarrer l'application de Discord. Ah Pour ouais? David. Et Pour David, David. sur Mac, c'est facile. T'as une petite loupe Ouais, en c'est haut à facile. droite. T'as une petite loupe en haut à droite pour faire des recherches dans ton Mac. Tu cliques Oui. dessus. C'est le spotlight, ça s'appelle sur Mac. Et tu cliques là et tu tapes Discord et il va trouver le Discord que tu as installé. Normalement, Mais le ça. problème, il le trouve, il n'y a pas de souci. Oui. Mais quand je le lance, le Discord, Oui. une fenêtre qui apparaît. On Ouais. sait. Vas-y, parle. Donc là, m'entendez là? Oui. Oui, on Ouais. t'entend. Ah bah là, ça y est, parce que là, c'est parti, en train de faire l'update. Ah bah voilà. Ouais, en général quand il se lance, il fait un update tout de suite. Ouais, ça, Mais c'est depuis le Apple début là, aussi. ça mettait toujours update failed et il voulait jamais démarrer. Et Stéphane, il y en a qui se foutent de ta gueule. David, Ça David. c'est pas gentil ça. Ça c'est pas gentil Ouais. ça. Ils disent. Non, c'est pas sympa. Hein. Non Discord mais va si. marcher pour le live Ça me fini. touche pas, ça me touche pas. Ils disent son Discord il va marcher quand le live va être fini. Voilà, starting. Alors attendez, on va essayer de finir avant quand même. Aïe, 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 aïe. Ah, le fun. Là, vous m'entendez toujours? Oui, Oui. alors on t'entend Ah bien. ouais. Alors là, il va me demander de me connecter sur mon compte de l'application. Et vous savez quoi, les gars? Dès que ça marche en Discord, j'arrête le live. Ouais, bah c'est pas sympa à tenir. Sérieux, Tony? Mais vous savez pas, mais je suis un enfoiré moi. Robin. Quand je peux rigoler, moi je suis un enfoiré. Mais c'est Je bien vois. rigolo. Je Alors, il vois y a ça 100. Si tu vis ça, si tu fais ça, je t'envoie pas mon serpent. Ah, c'est vrai, tu l'as pas encore envoyé. Merde. Alors maintenant, il faut tout que je recommence. Les salons. Comment je fais tout à l'heure? Tony RC. Ah, Ah, tenez, tiens, mais ça, c'est un fichier. il y a 100% RC qui a une chaîne aussi. 100% Alors, RC, j'ai ma bam. chaîne aussi. Je sens qu'il y en a qui veulent être de modérateur.
100% RC. Bon, on fait un vote, hein. Les gars, si vous êtes d'accord, 100% RC, Modo. Modo, ah, c'est toi qui décide. C'est toi qui décide, hein. Moi, je sais pas. Hein. Non, mais pour l'instant, il est super gentil. Hop. Ouais. Ça y est, monsieur 100%, maintenant tu es 110%. De toute façon, Tony, il a pas besoin de Modo, il a que des poteaux. Alors, détrompe-toi. Au début, j'avais pas de Modo. Il y a eu un soir, j'ai dû mettre plein de Modo d'un seul coup, là. Ouais, ouais, j'ai vu le jour où il y avait les foufous qui étaient venus, là. Ouais, j'ai vu. Enfin, j'ai vu que c'était pas terrible, quoi. Franchement. Ça faisait plus de la peine qu'autre chose, quoi. Mais en général, t'as beaucoup de poteaux, quoi. Qui est là ? Je veux dire, C'est David, je pense que j'ai réussi. David. David, ça joue ? Bon, et... Vous m'entendez ? Les gars, le live est terminé. Merci, bonsoir à tous. Enchanté d'avoir installé Discord. Moi, je vois David de Toulouse. C'est David de Toulouse, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je viens de me remettre, et là, cette fois-ci, sur l'application. Donc maintenant, je vais tester. Maintenant, je vais tester en remettant Internet si j'ai bien la vidéo et le son de Discord en même temps. Est-ce que vous m'entendez tout ? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Même voilà, penser, on t'entend. Ça marche correctement, alors que je pense que tout à l'heure, dès que je basculais sur YouTube, le Discord on web ne marchait plus. Ah, donc tu étais bien sur le web. D'accord. Ouais, ça des fois peut-être ça, si c'est pas en ligne. Alors, si Tony commence à démonter l'aiguille pour tout nettoyer, je pense que ça sent la fin. Ouais, je l'ai dit, hein. Je garde. Il y a encore quand même du taf là. Le gris j'écris, il est vachement couvrant. Par contre. Mais non, tu coupes pas tout de suite, Tony là. Coupe pas tout de suite quand même. Ouais. Je nettoie l'aérographe pour que. Surtout que là, il est bouché. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec du miroir ? Je vais astiquer. J'aime bien astiquer, moi. Mais tu mets vraiment du miroir pour nettoyer l'aérographe, non ? Ouais. Ouh. Pourquoi tu fais pas bouillir ? Pourquoi tu fais pas bouillir à la casserole ? Pour faire du riz ? Ouais, mais j'ai pas la chiasse, moi. Non, mais moi, bon, je sais pas, Tony, si... Pardon, Karim, je sais pas, Tony, si tu n'aurais pas des produits genre Teflon et tout ça dans le miroir qui pourraient être pas très copains avec la peinture. Alors, c'est une astuce conseillée par les plus grands aérographistes du monde. Oh. Voilà. Intéressant. Ouais. Je ne voulais pas la dévoiler et voilà, je suis obligé de la dévoiler, je travaille en live. T'as lâché le morceau. Voilà, c'est trop tard pour toi. Voilà. Voilà. Tony l'asticateur. Tony l'asticateur, qui c'est qui a dit ça? Attends, ça normalement, si t'étais pas modo, ça passait pas, je suis sûr. Ouais, j'ai failli faire un blocage, mais je me suis dit, c'est mon poteau, je peux pas. Ah, c'est ton pote. Vivant bien, c'est Arma, Karim. Tu sais, Arma doit me donner des nouvelles fin novembre. Pour réussir à avoir mon EXB, si mais je l'ai pas, je vais pleurer. T'as pas ton EXB, moi je l'ai depuis juillet, quoi. Ça fait presque trois mois que je l'attends. J'ai bientôt... J'ai envie de pleurer. Mais je t'ai dit, nous en Suisse, on a tous les stocks, ils l'ont en stock, là. Vous êtes des pistonnés en Suisse, c'est pour ça. Vous êtes des gros pistonnés, nous on doit attendre comme des crevards. Hein. Je sais pas. Mais t'as le Big Rock aussi, par contre. Là, le Big Rock. Non, le Big Rock, je l'ai pas. J'ai le. J'ai le Felony, je l'ai. J'en ai quelques-uns, ouais. Franchement, j'en ai quelques-uns. Ah ouais. T'as le noir ou l'orange ? J'ai le noir. Il paraît que l'orange, il est plus beau. Parce qu'on voit plus les détails. Moi, j'ai l'orange. Alors, comment il est ? Est-ce qu'ils sont beaux, les détails ? Bah écoute, je vais pas faire de la pub, mais si tu peux. T'as jamais vu ma chaîne, Karim ? Écoute, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé alors. Même en marquant Tamiya _ Kid, je l'ai pas trouvé. C'est pourquoi ? Ouais, mais. C'est parce qu'il y a pas beaucoup de monde d'abonnés. Ouais. Ouais, mais c'est que Tamiya, c'est vrai que c'est un peu grand ça. Quand t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est dur de trouver une chaîne.
Mais moi, Ah, d'accord. tu mets Tamiya Kit et puis mets mot-clé Arma, par exemple. Ça marche. D'accord. Tamiya Kit, mot-clé Arma. Ouais, par exemple. Hein. Ok. Bon, ben, je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça. Pour que je Mais t'encourage un petit peu. c'est du basique pour l'instant, hein. C'est des petites Non, mais écoute. présentations. Mais écoute, et moi, tu sais, je suis pour les gars qui se défoncent et je C'est suis pour pas. les gars qui. Je suis pour les gars qui débutent et moi je suis pour les gars qui font des trucs. Ça me fait grand plaisir en fait. Ça me fait grand plaisir, sans déconner. Mais là je suis Ouais, c'est sincère. gentil. C'est Parce gentil, que oui. même moi, tu vois, je veux essayer de débuter et je me pose plein de questions et ça me fait flipper, tu vois. Et quand je vois des gars débuter et tout, je trouve ça super. Alors je les encourage comme je peux. Des Ouais, fois c'est c'est de sympa. l'argent. Des fois c'est de l'argent, des fois c'est des mots, des fois c'est du transfert, des fois c'est plein de trucs, tu vois. C'est sympa. Ouais, puis Voilà. c'est du travail, c'est de l'investissement personnel. Bah oui, bah bien sûr. Et puis tu donnes de toi, et puis tu te découvres par rapport aux autres. Donc tu te sens un petit peu vulnérable quand il y a des petits connards qui commencent à raconter des conneries sur toi, tu vois. Donc c'est pas Bon. simple. Donc ouais, Bon. alors je suis là pour encourager les gens. Oui, Bravo. ça c'est sûr, il faut avoir assez de recul. Voilà, exactement. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir quand je vois des Tony RC, des Tamiya Kit, des RC Mumus, des mecs, tu vois, pour moi, vous cartonnez, les gars. Pour moi, vous cartonnez. Ouais, moi je cartonne C'est pas tellement bravo. encore, exceptant de 6 abonnés, mais ça commence comme ça, quoi. Mais Oui. oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ça va venir, c'est pas un problème. Tu Après, sais, je pense, hein. Je pense. Bon, moi, ce n'est que mon point de vue. Hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais je te jure que si tu fais les choses avec le cœur, je te jure que ça paye. c'est pas faux, c'est pas Oui. faux. Mais c'est vrai, c'est Je... dur de retranscrire ça dans une vidéo, c'est pas toujours simple, hein. Bien sûr. Moi, je tire des grands coups de chapeau à Tony, à tous ceux qui font des lives, qui s'investissent encore bien plus que moi, parce que moi, c'est vrai que je m'investis pas encore d'une façon très Mais régulière, mais. peut-être parce qu'il y a un petit peu de pudeur encore et Ah, tu le sens c'est. pas que c'est pas le moment, tu vois, c'est mais ça viendra, tu vois, c'est mais si tu fais, je te jure, si tu fais les choses avec le cœur, je te jure que ça décolle. Je te jure que ça décolle. Bah, la preuve, Oui. Mumuse, C'est hein. Il Ouais, la avait preuve Mumuse, débuté. mais la preuve toi, Tony, aussi, tu rigoles ou quoi? Ouais, mais Ça fait moi j'avais longtemps déjà une que je te image. connais. Mumuse, il est parti de rien. Moi j'avais déjà une image. Ouais. J'ai arrêté là pendant une petite dizaine Voilà. d'années. Mais avant, il y a Ouais. 10 ans, j'étais connu dans ce milieu. Ouais. Mais Oui. ouais. C'est vrai, T'as c'est vrai. fait un Ouais, comeback. c'est ça. Non, et puis il y a plusieurs facteurs aussi. Tony est vachement centré sur la peinture. Quand tu es Ouais. forcément, quand tu es centré sur les châssis, tu touches beaucoup plus de monde, quoi. Exactement. Parce que la peinture, Exactement. Mais ça moi, donne. ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est quand j'ai commencé à poster des vidéos, et puis tu vois que sur toutes tes vidéos, tu as 3 pouces rouges, par exemple, Ouais. mais réguliers. Donc, sur toute ta ligne de vidéo, tu te dis, Ouais. les gars, ils font exprès, quoi. Alors oui, c'est ce Oui. qu'on appelle les haters. Et moi j'en ai aussi. Donc un truc, il faut que dans ta tête, tu te dises, je sais, imagine que derrière, c'est des petits gamins de 9, 8, 8, 9 ans qui s'amusent à foutre des petits pouces. Et c'est certainement le cas. Voilà, et puis imagine-toi aussi que c'est pas, je Mais sais pas. tu crois que c'est vraiment des enfants qui font ça? Moi, Non, il y a Mais même y a des adultes. Moi, imagine-toi, personnellement. c'est pas inclus dans l'algorithme. On sait pas en fait. Ça se Ouais, trouve, il y a ouais. un truc pour l'équilibre, il y a un truc comme ça, c'est fait exprès. On sait pas, il faut pas s'occuper des pouces rouges, on leur a rien à foutre des pouces rouges. Oui, moi, je Mais pense qu'il tu faut remarques passer un au-delà. truc, Tamia, voilà, il faut se concentrer sur tous les gens qui. sous mes vidéos, normalement, vous pouvez vous mettre un pouce, mais vous pouvez plus voir le Ouais. nombre de pouces négatifs. C'est pas vrai? En tout cas, sur tes lives, on les voit toujours, les Oui, mais sur positifs et les négatifs. vidéos, pas les lives. Ah, Ouais. j'ai pas fait attention, mais ça tient de Je quoi, vais ça? mettre un pouce rouge pour voir si ça marche. Espèce de Ah. bâtard, toi, bâtard. Suis pas le seul, bah t'es les deux. Ce qui est bien, c'est que tu peux repasser en bleu. Ouais, voilà, tu peux l'enlever le pouce rouge, hein. Ouais. Ouais, Moi, tu peux l'enlever. personnellement, Ouais. ça m'est jamais arrivé de mettre un pouce rouge sur une vidéo qui ne m'intéressait pas, puisque quand ça m'intéresse pas, je zappe.
Exactement. Alors, mais ça par contre, c'est un peu dangereux. Quand il y a des idées qui sont un petit peu dangereuses ou limite insultantes, moi ça m'est arrivé. Dans ma vie, j'ai mis 2 pouces rouges. Mais franchement, les gens, ils avaient dépassé les bornes. Voilà. Après, voilà, il y a des Choses sérieuses. Hein. Après, si on n'aime pas ton contenu, ben alors on compte te mettre un pouce, mais qu'on te fasse un commentaire avec, qu'on te dit pourquoi. Oui, aussi. Ouais. Exactement, c'est ce que je fais. Et tu vois, de la façon dont t'en parles, Tamia, je te sens blessé. Maintenant, moi, ça m'arrive quasiment sur toutes mes vidéos, il y a des pouces rouges. Oui, oui. Et non, mais toi, maintenant, j'ai vraiment, je fais plus gaffe à ça, tu vois. Ouais, mais toi, t'as 1000, combien, bientôt 1400 abonnés, c'est quand même pas la même chose quand tu commences ou tu vois que... Oui, bah, je pense que... Ouais. En fait, tu sais, t'as des gens qui sont très basiques dans leur tête. Ça peut être, tu vois, je m'entends très bien, on parle de Mumu, on parle d'autres youtubeurs. Ça peut être simplement des gens qui suivent la chaîne d'un confrère, je vais dire Mumu, par exemple, qui aiment sa chaîne et qui, eux, me considèrent comme un ennemi, tout simplement. Voilà. Et du coup, ils vont systématiquement... Alors que Mumus, lui, il me mettrait pas les ennemis, tu vois. Il me mettrait pas les pouces rouges. Bah oui. Je veux dire, on est en démocratie, il faut respecter ce que chacun fait, et puis voilà. Ouais, mais justement, c'est le problème, c'est que tu peux mettre ta démocratie, si t'aimes pas, tu peux mettre j'aime pas. Oui, non, d'accord, mais je veux dire, voilà, chacun... Mais c'est la même chose, j'ai des amis, moi, qui sont restaurateurs, c'est la même chose que quand TripAdvisor est arrivé, ils se sont pris des commentaires... sur leur restaurant, des commentaires, mais futiles du style la sauce au poivre est trop poivrée. Bah ouais. Ouais, tu vois, qu'à la con, quoi. Ouais, ouais, mais les gens le pensent vraiment. Et le problème, c'est que elle est trop poivrée pour toi, mais peut-être pas pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est compliqué. Voilà, ouais, exactement. Moi, je dis, quand j'aime pas dans un restaurant, ben, j'y retourne pas. Voilà, tu cherches pas la petite bête, quoi. Mais à part si, par exemple, le mec te fait... Moi, franchement, je répondrais si le mec te fait du mal ou si c'est foutu de la gueule des gens. Ouais, tu vois, je préfère prévenir les gens. Quand tu regardes Cauchemar en cuisine sur M6, t'aurais envie de mettre un pouce rouge. Hein. Ouais. T'auras même envie de décoller une patate, quoi. J'ai pu regarder 2-3 émissions comme ça, c'est quand même à mourir de rire. En tout cas, juste faire un break parce que je remercie des commentaires. Il y a plein de gens qui font des commentaires. Merci. Oui. Ouais. C'est vrai que quand on parle, on oublie de les commentaires. Alors, et les gars, vous avez pu voir que j'ai donc. Ce que j'avais pas encore fait jusqu'à maintenant en live, c'est que depuis. C'est la deuxième fois, là, en moins de 3 jours, que je passe mon aiguille au miroir. Voilà. Donc, conseil qui m'a été donné par le patron de la société. Ouais, alors, tu vois, moi, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, je sais pas ce que c'est chez toi, c'est ta femme qui le fait, regarde. C'est normalement. Ouais. C'est pour le miroir, c'est vieux comme le monde, c'est des produits à la base qui servaient. C'est un vieux produit miroir. Oh là. Ah là, c'est pour astiquer. Ouais, est-ce que donc tu n'astiques pas, toi? Ah, c'est pour, la vaisselle. C'est pour la vaisselle. C'est le chat, Tamiyaki. Le miroir, c'est pour l'argenterie, si je me trompe. Il y en a deux. Il y a un miroir bleu et un miroir rouge. Le rouge, c'est pour les cuivres. Voilà. Oui, oui, d'accord. Voilà, et c'est un produit hautement inflammable. Si je me gourre pas, je crois que c'est ça. Parce que je me rappelle, je foutais le feu, moi, avec ça. Avec. Alors, il y a plusieurs formules, là. Celui que tu as, ça va être le moins connu, Tony. Le plus connu est rouge. Ouais, mais c'est pour les cuivres. D'accord. Parce que tu as fait de la trompette, toi. Alors, je pense qu'il te conseille ça pour que ta peinture adhère moins sur l'aiguille, que ça soit plus simple à nettoyer. Alors, c'est encore pire que ça. C'est tout à fait ça. C'est même pas ça. C'est que c'est pour éviter. C'est pour avoir une meilleure pulvérisation et éviter le brouillard de noir que j'ai eu sur la carrosserie de André. Ouais. En fait, j'ai parlé de mon problème et il m'a dit : est-ce que tu passes ton aiguille au miroir ? J'ai dit : bah non, c'est vrai que j'en ai entendu parler. Il dit : non, mais ça, il faut le faire régulièrement. Voilà. Et alors, du coup, tu as vu la différence ? Non, je fais toujours autant de brouillard noir, mais bon. En fait, petit à petit, l'aérographe, il faut appliquer toutes les petites recettes. C'est comme de la cuisine. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as baissé la pression ? Non, il m'a dit... Pour éviter le brouillard. Il faut peindre. Changer de buse. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, c'est pas... innocent si les peintres de carrosserie ils peignent dans une chambre avec aspiration.
Donc une cabine Ah de oui, il a dit, peinture. mais c'est Donc bon. il a dit, est-ce que tu peins sous une cabine de peinture, dans une cabine? Et il dit, il faut que tu aies une aspiration puissante pour pas que cette poussière retombe tout de suite sur la carreau. Comme ça, t'as aucun brouillard, en fait. Voilà. Aussi, ouais. Mais il Ouais, faudrait que bah tu oui. regardes, Tony, sur... J'avais envoyé un lien à un youtubeur de la RC qui fait aussi de la peinture, d'une cabine sur AliExpress, une petite cabine. Ils vendent ça Ouais. pas très cher, avec un filtre en carton au bout, machin et compagnie. Et Crois que ça je va l'ai aller vu, dans les ouais. 80 euros, quelque chose comme ça. Il faut, je sais pas après les détails, mais Je l'ai pas un acheté parce raccord que sur une traction. c'est trop petit. Ouais, c'est possible. Moi, de ce que Ouais. j'ai, Il c'est y a fait pour plusieurs tailles, attention, hein. Il y a plusieurs tailles. Hein. En fait, C'est fait pour faire les maquettes. c'est pour faire des maquettes, mais si Ouais. toi qui as des carrosseries de GT, c'est même pas la Oui, peine, quoi. tu la tournes pas dedans, Non. donc. Alors pour répondre à Gerve66, j'ai eu un premier aérographe que j'ai acheté sur Amazon à 29 euros. Que je l'ai. J'ai fait une carrosserie avec, et puis j'ai décidé de bien le nettoyer, et puis je l'ai renvoyé à Amazon. C'était vraiment pourri. Une Et merde. j'ai acheté celui-ci qui m'a coûté 180 euros chez Aérographe Discount. C'est le MLD Ouais. Product RM350. C'est donc une copie de la Ouais. marque Harder & Steinbach, le leader allemand. Et c'est une Ouais. copie un peu plus économique qui revient à peu près 80 euros moins cher que la marque Harder & Steinbach. Et il est vraiment très bien. Voilà. En plus, il n'y a pas le joint, vous l'avez D'accord. pu le voir, il est en téflon. Je peux le nettoyer avec des solvants puissants sans que ça abîme le sol, le téflon. Voilà. D'accord. Ok. Moi, Okay. j'en ai un, mais je suis sûr que c'est le style du premier que tu as. Tu sais, c'est celui qui a une boîte bleu ciel avec un tuyau bleu vert. Je suis sûr que Ouais. c'est le même, quoi. Après, c'est surtout la buse. Est-ce que tu dois la démonter avec une petite clé? Je ne sais pas, j'ai même pas ouvert en fait. J'ai Ouais. ouvert à la boîte, j'ai vu le bordel, j'ai fait oh putain, En c'est fait, quoi les ce bordel? aérographes, on va dire à moins de 80 euros, ou même à moins de 5 Ouais. euros, c'est souvent quand tu enlèves ça, après tu as la buse et tu dois l'enlever avec une petite clé. Et en fait, Ouais. cette petite clé, elle est 10 fois trop grosse par rapport à la taille de la buse. Et souvent, quand les gens, ils la D'accord. resserrent, donc ce qui est le cas de Ouais. mon pote Cédric Dobby, là, il a resserré un peu trop fort et ça fend la tête en deux. Voilà. Ouais. D'accord. Donc Mauvaise après, il est mort, quoi. Bah après, il faut acheter une nouvelle buse. Donc, suivant les marques, ça peut Ah ouais. revenir entre 19 euros à 30 euros. Voilà. D'accord. Moi, ici, c'est pas Ok. donné. Celui-là, quand je veux une nouvelle aiguille et une nouvelle buse, je la paye 25 euros. Donc là, je m'en suis acheté une en 0,3 et une en 0,5. Ouais. Donc, et j'en ai deux en 0,3. Comme ça, si jamais j'en casse une, au moins, je peux continuer la peinture sans attendre. Parce que, en plus, des fois, sur leur site, comme moi, c'est une référence spécifique. Si jamais ils l'ont pas en stock et qu'il faut attendre 3 mois, je pourrais plus faire de peinture, tu vois. Donc j'en ai pris une en Ouais. secours. Voilà. D'accord. Bon, vous avez vu, hein, j'ai vraiment fait un gros nettoyage là de l'aéro parce que je trouvais que justement ça crachait mal là, ce soir. Voilà. Bon les gars, moi je vais aller au dodo, hein. Je vois que vous êtes bien là-haut. Vous Non, êtes Tony, bien là. non, Vous êtes au Tony, reste café avec chez nous là. Tony là dans le bar et j'arrive pas à vous sortir. Moi aussi, hein, demain, il y a une grosse journée de travail, la semaine reprend. Ouais, mais restez un peu là. C'est quelle heure tout ça? Moi, je n'ai même pas l'heure. Ah oui, quand Il est même, ouais, quelle ça. heure? Il est minuit 39. Hein? Alors, Non, mais décalage là. Ah. horaire, là. Moi, j'ai Les 44. gars. Bah écoute, à 1 heure, on fait dodo. D'accord? À 1 heure. Alors, juste pour vous dire, on ne l'écoute pas, ce monsieur Antique. Le demain soir, en fait, demain j'ai une grosse journée, j'ai des réunions à gogo et Ouais. j'ai une visio à 18h30 avec une mairie là. Du coup, je suis pas sûr D'accord. de. Je pense pas qu'il y aura un live avant 20h. Donc, je pense que si un live, D'accord. ça sera demain soir, après, on va dire D'accord. vers 21h30 comme d'hab. Voilà. Bah, c'est très bien. Et donc, je pense, je vous donne rendez-vous à mon avis, Ouais. certainement demain soir, 21h30. Voilà. Et demain, le D'accord. programme, tu peux peut-être l'annoncer alors, du coup. Bah, le problème, c'est que demain, je risque en plus de recevoir un petit colis de chez Egoin Racing. Ah, Mais ce sera de toute je façon la pense que ça priorité. commence à être à bien rendre. Hein, c'est La priorité, ouais, c'est c'est. terminer cette carrosserie parce que je ne vais pas commencer à autre chose avant d'avoir terminé ça. Donc le programme, c'est deuxième couche de gris clair, le backing avec du blanc. Donc c'est-à-dire le protéger pour pas que le jaune, quand je vais mettre le jaune fluo, il vienne interférer le gris clair par transparence. Voilà.
Et puis après, ben, dépelliculer le jaune, mettre deux couches de jaune fluo plus du. Puis après, du blanc partout. Et puis ensuite, on enlève les vitres et on met un petit coup de vitre teintée. Et puis, une fois ça fini, on fait un vernis sur la carreau pour le protéger, pour que la peinture soit plus résistante. D'accord. Tony, une dernière question. Est-ce que tu mets pour tes vitres fumées, tu mets de la peinture ou alors tu mets tu sais, il y a une espèce de plastique qu'on colle sur les vitres. Je mets de la peinture en bombe actuellement, mais j'ai acheté c'est quoi? J'ai acheté ça parce qu'il y avait ça de dispo chez Eagle Racing l'autre jour. Ouais. Donc c'est du. Attends, je regarde. Attends, je regarde. C'est ça. Tu m'as. En fait, l'autre fois j'avais acheté ça, donc du Tamiya. Ouais. Hop, ici. Tamiya, c'était du PS31 Smoke. Et là, j'ai acheté dans cette marque-là, c'est Core RC Color. Et ça s'appelle Windows Tint. Voilà. Donc ça serait une peinture en fait, c'est pas un film, hein. On est bien Non, d'accord. c'est pas un film du tout, non, non. Non, j'ai pas de film. Ouais, Après, d'accord. Ouais, parce qu'il y ça. a des films hein, maintenant qui se mettent, donc spécial pour RC. Hein. Après, comme on a des peintures très transparentes, je pourrais très bien avec. Mais non, c'est pas du film du tout. D'accord, ok. Ok, monsieur. Non, c'est Voilà. parfait. En tout cas, hein, sincèrement, j'ai trouvé que tu t'étais énormément amélioré. Hein. C'est franchement, hein, c'est bien. Hein. Je te félicite. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que Bonne moi, je nuit. te Ce félicite. Mais c'est qui vrai est que. intéressant aussi, c'est que tu commences à explorer d'autres designs, Tony, et ça, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Ouais, Bonne nuit c'est à tout le tu monde. fais du bon boulot. C'est à cause de Manu que je dois Attends. explorer d'autres designs. Non, mais bon, c'est Non. sympa. Ça change. Non, franchement, c'est sympa et je trouve que tu as le trait vachement plus précis et je trouve ça super joli. Ouais, voilà. Toujours, toujours autant de bonne humeur chez Tony. Ouais. Bon, après, le trait Ouais, c'est précis, ça qui est bien. c'est Ça fait très plaisir. gentil. Mais l'autre jour, j'ai dû sucrer un commentaire sur une de mes dernières vidéos la semaine dernière. Ouais. Quelqu'un qui m'a juste dit que j'avais le trait grossier justement sur mes peintures de carrosserie, que ce que je faisais c'était vraiment grossier. Enfin bref, le mec, Ouais. il... je sais pas quel est son profil qui se cache derrière ça, mais j'ai senti beaucoup de haine déferler dans un commentaire. Voilà. Ouais, mais peut-être que le gars, tu sais, il est peut-être, je sais pas, moi, éjaculateur précoce, ou tu sais, des fois, c'est pas facile, hein. Le gars, tu sais, il n'arrive pas, et puis voilà, tout d'un coup, faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne, quoi. Ouais, c'est un peu des fois. Il y a des Après, moi, rageux, comment on m'avait dit un truc dire. quand j'étais petit, on m'avait sorti, on ne répond aux imbéciles que par le silence. Et je crois que c'est une très bonne politique. Faut les laisser couler, ces types, tu t'en fous. Parce que de toute façon, toi, tu sais ce que tu sais. Tu sais ce que tu vois, entre guillemets. Et puis nous, on est là pour te le rappeler. Ben c'est vrai, ça Bon, c'est pas bref. faux. Mais Mais j'ai pas dit que j'étais avec beaucoup d'importance. Je suis pas avec une grande importance. Mais la somme de personnes qui te regardent et qui te dit, vas-y, continue. Voilà, ça doit être ça qui doit. Enfin, j'espère que ça va te motiver, quoi. puis après, s'il y a des choses, s'il y a des remarques, qu'elles soient constructives, ça c'est Exactement. intéressant. Exactement. Les critiques constructives, c'est très important, c'est très intéressant. Ben Faut bien sûr, faut pas toujours aller dans le même sens. Tu sais, d'aller dans le sens du poil, ça sert à rien non plus. voilà. Non, ça C'est pas sert du à tout rien. constructif. Moi, c'est Moi, vrai, j'aime bien parce qu'il y a quand des gens tu qui vois. ont. Il y a des gens qui m'ont ajouté sur Facebook pour parler. Et il y en a, ils m'ont dit. Ils m'ont donné des conseils alors que je ne les ai pas vus intervenir sur le chat. Et Ouais. ces deux personnes-là, je les remercie énormément. Voilà. Bah, tu D'accord. vois, c'est nickel. Bon. C'est C'est-à-dire par qu'elles se sont pas, elles se sont pas fait remarquer. Non. Mais c'était des peintres. Oui, il y en a, oui, tout à fait, mais c'est pas des peintres Ouais, pros, voilà. mais c'est des gens qui ont eu Ouais. envie, comme moi, d'être dans le partage. Voilà. Ouais, Voilà, bah ça c'est super, ça c'est super. tu pars en camping, Tony? C'est des personnes peut-être qui ont aussi connu quand des problèmes quand ils commençaient l'aéro et ils voulaient te les partager. Voilà.
Voilà. C'est intéressant. Voilà. Ben c'est clair, parce que c'est pas facile de se manger une tarte devant tout le monde, quoi. Tu vois, je veux dire, ça casse un peu le moral, hein. Non, mais ça casse le moral. Et puis, je veux dire, voilà, chacun est libre. Et puis, j'ai dit, tout est constructif dans ce que tu dis. Ok, mais il faut avoir un peu de diplomatie. Il ne faut pas arriver Exactement. sur une chaîne Exactement. puis insulter, quoi. Ça sert à rien d'insulter, puis d'être malhonnête. Exact Et exactement. surtout par derrière. C'est ça Bah qui oui. m'énerve. Alors ça, je ne supporte pas. Hein. Ouais, non, c'est C'est clair. parti. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu lui dis en face. C'est pas toujours facile, mais que ce soit Et sur puis bon. YouTube ou dans la vie, quoi. Voilà, moi franchement, j'ai trouvé qu'il s'était amélioré, ben je lui ai dit quoi. Voilà. Ça fait Ouais, plaisir. il y a Stéphane dans le chat qui dit c'est vrai qu'il est balèze le ton fer. C'est vrai que celui-là il est balèze. Ouais, mais c'est un fer pour le camping, ça, non? Non, non, c'est pour prendre la température dans les fesses à monsieur 3D Antique. Ah, mais super, super. Ah bah, je te félicite. Je te félicite. On va kicker Tony là, je crois. Ouais, on va le cliquer là. Hein. On va le sortir de sa Je chaîne. le félicite. Eh ben, dis donc. Nouveau test Et voilà. Covid, nous dit 100% RC. Ah bah d'accord. Ah bah voilà. Voilà. Voilà les bêtises de monsieur Tony. Et le vaccin est fabriqué par Obinox. Voilà, ça. Et non pas Obi-Wing, hein, mais vraiment Obinox. Binox, Obi-Wing, ouais, ça ressemble un peu. Ouais. Là, c'est un 8 en toile, je pense, ouais. Ah, tu nous as reçu là. Comment on appelle ça? Tony est en train de se préparer son petit support. Ouais, parce que Ouais, les je petits vois. trucs en fer, je trouve que c'est toujours Ouais. merdique. À défaut de son petit suppôt, je pensais à son petit suppôt, mais bon, voilà. C'est bientôt une heure, hein, ça commence à mal tourner là. Non, mais j'ai. Ouais, c'est normal, c'est la nuit, hein. Vais être censuré après le live. Ouais, c'est Ouais. ça. Il faut pas oublier que ça reste en ligne. Eh oui, c'est vrai que ça reste en ligne. Celle-là, je vais la supprimer. Hein. Ouais, tu risques pas grand-chose. Non, c'est 100% RC, c'est le fer qu'il va utiliser pour souder le combo de mon SRX 8 GT. D'accord. Il t'a acheté un fer à souder exprès pour toi. Exprès pour moi. Non, bah dis donc, quelle classe. Non, il m'avait dit déjà qu'il rencontrait des problèmes avec son ancien. Le fer pour le vario de la T4. Ah oui, pour le vario de la T4. Le vario de la T4. Mais. Dis-moi, Tony. Oui. T'as vu la panne? Du coup, tu Quoi? vas monter la grosse Non, mais panne? regardez mon support, au moins, il y a un support qui bouge pas. Voilà. Non, Ouais. faut peut-être arrêter. Faut peut-être arrêter de lui dire ça parce qu'il va prendre la grosse tête après. Hein. Tu peux régler combien se faire? Je vois qu'il y a un réglage dessus. 0, 40 watts, 80 watts. D'accord. Faut peut-être arrêter. Faut peut-être arrêter de dire ça à Tony parce qu'il va prendre la grosse tête. Hein. Mais dire quoi? Il est balèze ton Mais dis fer. là. Non. Elle est pas mal. Par comparaison, la panne d'un Ouais. fer moins puissant à côté. Voilà. Ah ouais. C'était un combien l'ancien là? Celui-là, c'est un. À 8 ans, tout Celui-là, le petit, c'est un 30 watts, ça. 30. Mais Ouais. t'en as pas avec un. Un affichage digital, si, si. Oui. Si, C'est mais celui-là? c'est parce que j'ai racheté le camping-gaz parce que j'ai vu l'autre jour, j'arrivais pas à souder, Les dessouder gars, quelque on chose. s'entend plus. Les gars, on s'entend plus. Bah, si. On t'entend, nous. Hein. Ouais, t'es Ouais, là? Voilà, donc là, Ah avec une panne comme putain, c'est ça. moi qui vois tout en double là, putain merde. Là, tu vois, tout en double. Et du Ouais, coup, j'avais tout en double là, putain, c'est chiant. faut arrêter de rire là. Du coup, tu Là, montres Et pour en fait, revenir. j'ai. Pardon. Putain. Pour revenir un peu à la RC, Tony, tu Oui. montes quoi comme équipement sur ton T4? Comme combo? Là, la T4. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire de cette voiture. Ah non, mais je croyais que tu avais un combo à monter sur le T4. En fait, ça risque d'être la voiture de mon fils.
On est en discussion avec mon fils. Elle est où sa voiture? Elle est là. Tac tac. Donc là, c'est pour la piste, hein, la T4. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait ça, c'est la Team C de mon fils. Voilà. Hop. Et du coup, cette voiture-là, on hésite si je prends toute l'électronique qu'il y a là-dessus et la mettre sur la T4. C'est juste qu'on attend de voir ce qui va se passer au déconfinement, en fait. Ce qui est sûr, c'est que bon. Je vais monter la T4, pour l'instant, sans rien. Le châssis risque, pour l'instant, de faire beau là sur le bureau. Parce que celle-là, c'est celle qui nous sert pour rouler dans la petite salle le vendredi soir. Et il y a beaucoup de mecs qui font absolument jamais de compète. Donc, je te dis pas le niveau de pilotage le vendredi soir dans cette salle. C'est une piste toute petite et les mecs te font que te défoncer ta caisse. Ah ouais. Donc, ça me ferait chier de mettre une T4 2021 pour que mon fils se la fasse défoncer en deux soirs, tu vois. Voilà. Donc, on attend de voir ce qui va se passer au déconfinement. Si ils annoncent, par exemple, l'ouverture de course à Charleroi en piste, bon, bah, clairement, toute l'électronique là, elle va basculer sur la T4 et celle-là, je vais la revendre. Voilà. Mais en attendant, s'ils annoncent pas d'ouverture de course, ça sera celle-là qui va continuer à rouler en loisir. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Tu nous entends plus, Karim? Non, c'est mort pour moi. Le son, il a triplé, donc que je vous entends. Ouais, le son, il a triplé. Le son, il a triplé. Mais il a triplé quoi? T'entends des échos? Non, c'est même pas des échos, ça. Il a pris de la drogue, en fait. Non, c'est même pas des échos. Je vous entends trois fois. Trois fois. D'accord. Ouais, j'ai dû prendre un truc. Trois. Attends, je coupe et je remets. Attends, je coupe. Non. Moi, je veux absolument aller me coucher. Je tiens plus, les gars. Je vous dis. Oh, en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Juste une dernière parenthèse. Donc, David, ta voiture arrive demain chez Tony? Non, pas demain. Je pense que là, j'ai fait un peu le point sur les pièces à mettre dans le carton. J'ai rajouté mon combo aujourd'hui. J'ai rajouté les fiches C5. Je voudrais que Tony me soude sur le variateur en double C5. Voilà, je veux pas envoyer le colis et puis me rendre compte après que j'ai oublié quelque chose. Un petit détail, comme là encore, j'ai commandé chez Wartell des pièces pour mon XB2 et des pièces aussi autres. Et je me suis rendu compte justement que j'ai oublié de commander un pignon moteur pour mon XB2. D'accord, donc attends la commande encore. Ouais, non, c'est un peu. Non, c'est juste être sûr, faire bien le point, qui est tout. Que Tony me rappelle pas, ou je me rende compte que ça y est pas, tout ça, quoi. Après, Tony, j'ai oublié de te dire, je sais pas si tu le sais, mais Serpent, ça se monte la notice sur une clé USB. D'accord. La clé USB, donc elle est livrée dedans avec la notice. Enfin, il n'y a pas de notice papier, ça se fait tout sur une clé USB. Ouais, bon, bah... après, je pense que c'est pareil, tu peux imprimer les documents. Ah, automatique, c'était ça. C'était pareil. Ça te dérange pas, là, l'USB? Bah non, j'ai un ordi là à côté de moi pour streamer. Ouais, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu aies l'ordi à côté, que tu aies l'écran. Ouais. Moi, je me disais, si ça t'intéresse, je l'imprime en version papier, puis je te mets dedans. Mais non, t'embête pas, je la mettrai sur l'écran ou même moi-même, je l'imprimerai. C'est vraiment pas ton souci, ça. Voilà. Bon, bah écoute. Sauf si t'as un beau copieur couleur à ton boulot. Les gars, vous m'entendez? Vous m'entendez, les gars? Oui. Non, t'entends pas. D'accord. Je vois que t'entends pas. Okay. Je sais. Non, j'ai coupé YouTube et là ça va beaucoup mieux. Là. Je suis resté avec Discord donc ça va beaucoup mieux là. D'accord. Ouais, donc moi je vous fais un gros bisou parce que de toute façon c'est la fin. Et puis je vous dis à demain. Hein. À demain tout le monde. Eh ben, pareil. On verra Tony à l'œuvre. Hein. Passez tous une bonne nuit. Tous bah ouais. Ouais. Merci d'être J'ai juste une dernière question à Tony, c'était de lui poser la question s'il avait déjà essayé les peintures nacrées de chez Tamiya, les blancs nacrés, en bombe ou alors à pinceau. Oui, mais par contre, le blanc nacré de chez Tamiya, il tient pas. Ouais, il tient pas. Et le vernis nacré de chez Tamiya, il tient? Non, c'est pas ça, c'est que le blanc nacré de Tamiya, je l'ai là. Ouais. Tu vois, sur la caméra, il est marqué fort plastique en dessous du logo. Ouais. Tu vois mon pouce, et ça c'est super important. Et il faut que tu prennes des peintures chez Tamiya que s'il est marqué ceci,
fort. Il y a marqué quoi? Polycarbonate. D'accord, fort polycarbonate, sinon c'est mort. Ouais, celui-là il est marqué fort plastique. Résultat, je l'ai fait sur une carrosserie pour moi et une carrosserie à Tom, là, le camion. Il m'a ramené le camion trois semaines après et tout le blanc nacré il partait. Alors j'ai dû réparer la carreau, tu vois. D'accord, donc fort polycarbonate, faut que je prenne ça. C'est ouais, ça, donc le TS45, tu l'oublies, tu vois, le blanc nacré. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Ok. Allez, je réponds. Tu prends que si c'est marqué fort Lexan chez Tamiya ou fort polycarbonate. Sur certaines marques, c'est marqué fort Lexan. T'as une référence à me filer ou pas? Non, pas en Tamiya. Pas en Tamiya, d'accord. Alors moi, je réponds juste à 100% RC, puis après, je vous laisse. C'était juste 100% RC qui demandait si c'était bien un roller, le kit Serpente. Oui, je te confirme que c'est bien un roller, le kit Serpente, mais j'envoie mon combo Vario Brushless à Tony pour qu'il me le monte dessus et surtout qu'il m'effectue les soudures et le passage des câbles. Okay. D'accord. Voilà. Bon, ben messieurs, on va couper ça. Bonne nuit à tous. Un plaisir de vous entendre. Et puis, toujours un plaisir, les mecs. Ben ouais. Toujours un plaisir. Bon. Le super boulot de la part de Tony, vous oubliez pas les pouces. Hein. Merci. Ouais, les pouces, les doigts, tout ce que vous voulez, les mains, les tout. Allez, comme vous voulez, les gars. Donnez-lui tout. Non, allez. grand plaisir. Et grand respect, grand plaisir à monsieur Tony. Ouais. Bisous à tous, bisous, allez, je coupe. Ouais. Je vais au dodo, bonne nuit à tous. Et rendez-vous demain soir, à mon avis, pas avant 20h. Ça m'étonnerait plutôt vers 9h30. Au revoir à tous, c'est coupé.